Bonsoir à tous, je suis Tout Noir, comment allez-vous? Bienvenue dans ce premier stream officiel de la Team Géo. Alors j'ai juste réglé mon image qui est un petit peu sombre, on voit pas grand chose, hein. C'est pas terrible. Alors on va augmenter un petit peu, peut-être qu'on peut le régler automatiquement, voilà, bon ça va se régler automatiquement, j'allume la lumière. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est complètement à l'arrache comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé ça. Là je suis en sur Mumble avec d'autres personnes, donc je suis par exemple avec Denev, salut. Coucou. Et les autres qui sont encore en train de télécharger Mumble, qui sont encore en train de chercher comment brancher leur micro, comment ça fonctionne. Donc il y a d'autres personnes qui vont arriver, il y aura Force X One. Va peut-être y avoir Kubak de la Kubak compagnie de la Kubak Corp, je sais plus qui. En fait, il est là, vous voyez, ils sont là avec leur guild. Voilà la Kubak compagnie. Donc je vais essayer de les inviter sur Mumble s'ils peuvent. Vu qu'ils sont de l'ordre, on peut pas leur parler in game, donc ça va pas être facile. Alors, je vais faire un petit réglage encore pour Mumble. Parce que je change push to talk, c'est juste pas pratique. Voilà, je suis en activité vocale. Donc là, normalement, Denev, tu devrais m'entendre tout le temps, normalement. Là, c'est bon, ouais, je t'entends. Voilà, j'ai plus, j'ai les mains libres en face, ça y est, je peux, sans les mains, tu vois. Ouais, donc là, vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de monde qui s'est pointé là. Allez, faites péter les AOE, les gars, là. C'est ça qui est sympa aussi avec les gnomes, c'est qu'il y a beaucoup de classes caster en fait. Et dans ce genre d'event, là il y en a quand même une 30-40 quand même. Là, il y a de quoi faire je pense qu'il y aurait de quoi faire un petit raid. Mais c'est ça qui est fun, c'est qu'avec les gnomes, quand c'est des casters, ils peuvent trop foutre le bordel avec des effets visuels de partout. C'est un peu du Michael Bay quoi. Alors, Alex, alors j'essaie de dépanner Force X One sur Mumble. Alors, il se passe des choses bizarres in-game, là. Il y a une espèce d'effet vert qui s'est mis. Je crois qu'il y a quelqu'un a mis de l'encens, voilà, c'est ça. Alors donc pour la course, alors on va pas partir, le départ était pas prévu à 21h de toute façon, hein, c'est le début du stream qui commence à 21h. Le départ je pense qu'on le fera peut-être pas écart, parce qu'on va attendre peut-être que tout le monde soit là. Peut-être vers 21h30, donc si vous n'avez pas encore créé votre gnome, si vous êtes encore en train de télécharger les mises à jour à l'arrache, si vous êtes complètement à l'arrache comme nous, vous avez encore un petit peu de temps pour créer votre perso. En train de me spammer en Wisp, forcément, comme d'habitude. Alors, ce que je vais faire. Ah putain, salut, salut Alex, ça va? En fait, non, mais je crois que c'est ma faute. Ouais, bien et toi? Je crois que c'est le pseudo en fait. Mais par contre, via l'application, ça marchait pas. J'ai dû tout faire à la main. Ouais, t'as saisi les informations qu'il y avait sur le forum du coup. À la main, etc. Ouais, c'est ça en fait. Pour que ça marche, pas via leur lancement automatique qu'ils proposent. Bon, le lancement automatique, c'est moi qui ai implémenté ça. Chez moi, ça marche et ça marche sur ma machine. Hein, c'est l'excuse basique du développeur, mais ça marche aussi sur celle de Denev du coup, qui est avec nous. Alors, je vais voir si Kubak, je suis en train de lui parler sur Facebook. Je vais voir s'il est peut-être pas connecté sur Facebook. Quoi qu'attends, ça se trouve, j'ai peut-être un ami bâtonnette, en fait, je suis con, j'ai... Je sais pas si tu es en train de parler, mais moi, je t'entends pas, hein. Tu m'entends pas? Ouais, si je suis en train de parler, moi. Là, oui. Mais c'est non, Nico, c'est... j'entends pas du tout. Bah, normal, j'arrêtais de parler, non, en fait. Je sais pas s'il parle, là. Pas du tout. Alors, je vais essayer de parler à Kubak. Je viens de lui envoyer un petit demande de bâtonnette, là. Alors je sais absolument pas ce qu'il a mis comme pseudo. Le run il se passe sur quel serveur déjà? C'est sur Kirin Tor. Ok, la course a déjà démarré? Non, pas du tout, non, on est encore en train de tout installer.
En fait, vous m'entendez plus là. Personnage et on y va. Ouais, je viens de voir que j'ai carrément oublié mon. Remettre mon abonnement, du coup, bah ça va être. Sur un perso, sur mon compte en jeu, mais. Bon, là, vous m'entendez maintenant. Là, oui. Ouais, je sais pas pourquoi, mais mon activation automatique se vire au bout d'un moment et je repasse en push to talk automatiquement. Donc en fait, je suis en train de parler comme un teubé et vous m'entendez pas, quoi. Exactement. Alors je vais mettre en. Je vais mettre en continu, on va voir. Et pourtant, c'est ouais, c'est un bug du client parce que je suis vraiment toujours en activation continue. T'as pas un problème continue, de quoi. Ton micro? Non, mon micro il marche très bien parce que je pense que sur le stream vous m'entendez. Non, c'est parce que je vois très bien sur le Mumble, je vois mon. Tu sais, t'as une petite bouche qui s'allume à côté. Ouais. Elle était éteinte. Et de toute façon, je pense que sur le stream vous m'entendez. Tiens, les gnomes qui sont sur le stream là, donc il y aura un petit décalage de 30 secondes à peu près. Si vous m'entendez, vous allez tous crier pamplemousse. Ça va être le test pour voir qui est sur le stream déjà. Tous ceux qui sont sur le stream, vous criez pamplemousse. Alors, vous pouvez faire dans le chat également, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, je vais rouvrir le chat comme ça, on va pouvoir voir. Voilà. La course comment démarre d'où? Bon, en fait, elle va démarrer devant le. Devant le. Devant le. Bah, en fait, là où il y a tous les gnomes qui sont en pack, là où t'as des parasols, t'as des mecs en taurenne, t'as des. On est juste à la sortie de Gnome Ragan. En fait, là, c'est le gros bordel, si tu veux. Et la foire au pamplemousse. Ouais, complètement. Alors je suis en train de demander à Kubak là, je pense que c'est lui qui m'a ajouté sur Battle.net. Moi j'arrive, je viens de créer mon perso, je me dépêche. D'accord, vas-y, y a pas de souci. Donc les autres, hein, ceux qui sont sur le stream, qui n'auraient pas encore créé leur perso, leur gnome, vous pouvez y aller. Vous avez encore du temps pour le créer, je pense qu'on va partir vraiment vers 21h30. De toute façon on n'a pas d'horaire défini, hein, c'est juste un event comme ça pour le fun. Ça sert à rien de se compliquer la vie à mettre des horaires ultra précis, quoi. On n'est pas à la SNCF. De toute façon, à la SNCF, on aurait 2 heures de retard de toute façon, donc c'est mort. L'héritage est autorisé d'ailleurs. Ouais, vous mettez du stuff héritage. Le seul truc qu'on va pas autoriser, c'est les mobilettes là. Oui. Parce que je sais qu'il y en a qui en ont. De toute façon, c'est pas dur. Hein. Ceux qui partent à 3 km devant, voilà, ils partent à 3 km devant, mais de toute façon, nous on restera en tête près des. Près de la tête en fait quoi, mais la tête qui est à pied quoi, pas la tête qui est en moto ou je sais pas quoi. Ok. Là que j'essaie de voir comment on fait pour sortir d'ici, je me rappelle même plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas créé des gnomes. En fait, là sur le site de la Team Geo, pour ceux qui sont inscrits dessus, en fait, pour Mumble, on a fait un truc assez simple, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes connecté sur le site, vous cliquez sur l'onglet Mumble, il y a un gros bouton et ça démarre Mumble automatiquement et vous êtes identifié avec votre Team Geo, si vous êtes Geo, etc. quoi. Et ça simplifie vachement les choses. Là, par exemple, il y a Force X One qui a son petit tag Geo sur Mumble, c'est la classe. Denev, vu que tu viens de t'inscrire, je pense qu'on va te passer Géo aussi du coup parce que t'es quand même vachement impliqué, voilà. Oui, alors ça s'est fait un petit peu à l'arrache la reprise du forum, donc il y a encore quelques petits trucs qui sont pas trop point. Je sais que je suis en repérage dans le jeu pour essayer de trouver des endroits pour faire un jeu de piste géant. Ouais. Les envoyer à gauche à droite avec des énigmes. Donc je suis en train de regarder un petit peu ça, vu qu'en ce moment j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de partir en raid, et tellement ça me casse les pieds, pour pas dire autre chose. Ouais. Et j'essaie un peu repérer tous les trucs, les couignettes. Les voilà. Kouniaman. Les Kouniaman, voilà. Les couignettes. Ouais. Les couignettes, c'est comme, voilà. Et du coup, je vais essayer de trouver des endroits sympas. J'avais déjà parlé d'un objet étrange, référence à un film d'Apocalypse. Mmh. Bon, voilà, je vais essayer de trouver des différents trucs comme ça et puis essayer de trouver des énigmes pour les envoyer à gauche à droite. Voilà. D'accord. On va voir. Alors effectivement, ça c'est le genre d'event qui est sympa à faire. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du GN par exemple.
C'est typiquement le genre de choses qu'on fait en GN, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font les joueurs et des joueurs qui font les PNJ en gros quoi. Et alors l'inconvénient de genre d'event, enfin une game du moins, c'est qu'il faut beaucoup d'organisateurs. Il faut un organisateur par PNJ, donc là il faut vraiment recruter un mass people. Surtout des surveillants. Pas forcément les surveillants, parce que les PNJ peuvent faire office de surveillants. En fait, tu vois, tu peux mettre des étapes, ramener, tu vois, par exemple, je sais pas, aller buter 50 Murlocs, ramenez-moi 3 œufs du Murloc, tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais. Et ça valide, puis après, en fait, après, les organisateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se partagent un GDoc, tu vois, un tableau Excel partagé, et puis ils notent les noms des joueurs, et ils mettent les étapes d'avancement, comme ça tout le monde peut voir où s'en est rendu, etc. Mais le problème, le plus gros problème, le plus gros risque de faire de ce genre d'event, c'est pour ça qu'on l'a jamais fait jusqu'ici, c'est qu'un organisateur qui soit absent, au dernier moment, il dit je peux pas venir, j'ai piscine, ou alors simplement on l'attend, puis il vient pas. Bon, ça, c'est déjà arrivé sur d'autres events. Ouais, il faut que vraiment. Et là, le problème, c'est que ça casse tout, quoi. S'il y a plus d'event, il y a plus rien. C'est comme les Jeux Olympiques, il faut que tout le monde soit là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors il y en a qui me demandent si des choses sont proscrites pour la course. Bah effectivement oui, la moto avec chauffeur là qu'on voit, là j'en vois un qui l'a par exemple. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que bon ils seront plus ou moins, ils seront disqualifiés simplement. Alors après les super récompenses, hein, vous verrez que c'est des trucs, c'est des super récompenses. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être très réglo au niveau du règlement. Et donc on a juste cette monture en fait, ces deux montures... Pardon, ces deux montures moto qui sont proscrites, sinon on pouvait vous habiller comme vous voulez, on peut mettre un stuff héritage de bourrin, des couettes roses, enfin tout ce que vous voulez. De toute façon avec un gnome niveau 1 vous pouvez pas faire grand chose, donc voilà. Alors ce qu'on va faire, on va attendre Kubak, comme ça on sera déjà 4 sur le vocal, ça va être plus sympa. Alors il y a peut-être certains se demandent où est Myung. Myung elle est là, elle est en train de broder donc parce qu'elle a beaucoup de travail. Ouais, donc malheureusement voilà, elle viendra pas. Vous la verrez peut-être passer tout à l'heure derrière la caméra, devant la caméra. Mais non, c'est pas prévu qu'elle participe quoi. Les tricheurs sur les limites d'office. Enfin bon, pour le moment, vous pouvez jouer avec les motos. La course n'a pas commencé, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, ouais, la ligne de départ, on la fera grosso modo par ici. Bah, c'est con, j'ai pas. Ça, c'est pas mon main comme perso, c'est un reroll en fait. J'ai pas pensé à récupérer les fumigènes, j'aurais pu faire une petite ligne de départ avec les fumigènes. Mais ce qu'on fera, c'est que pour la ligne d'arrivée, en fait, on la fera avec. En fait, simplement à compter de l'or en fait. Oui, compter de l'or, c'est ça. Il y a deux arbres. Ça fera la ligne d'arrivée. Donc, il suffira de passer le premier qui passe devant. Ouais. Est-ce que ça serait pas mieux de faire l'arrivée dans la petite chapelle de Comté du Nord? Au moins, là, t'as une vraie ligne d'arrivée. Les gens qui arrivent, paf, voilà. Non. Parce que, en fait, alors pour ceux qui connaissent pas Kirin Tor. Kirin Tor, donc c'est un royaume, JDR. Et il y en a certains joueurs qui vont tous les soirs à l'auberge de Comté de l'Or pour faire ce qu'on appelle du RPQ, c'est-à-dire qu'ils prennent un personnage, ils font une femme niveau 1, ils la mettent à poil et voilà les emotes quoi. Et généralement quand on monte, voilà, il y a des clients. Et là, j'ai juste envie de voir leur gueule quand il y a une cinquantaine de gnomes à couette rose qui vont débouler dans l'auberge. À mon avis, ça va être assez rigolo. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on fait ça à Comté de l'Or. Puis c'était aussi éventuellement s'il y en avait qui venaient avec d'autres des personnages d'autres serveurs. Bon, finalement, ça va pas être le cas. Donc, parce qu'en fait, Hurlevent est phasé. C'est-à-dire que quand tu te connectes, quand t'es dans un groupe inter-royaume, si tu vas dans Hurlevent, t'es forcément sur ton royaume. Donc, c'est le coup, t'as rien dedans, t'as tes potes qui disparaissent en fait. Et donc là, si on faisait l'arrivée dans le vent avec un groupe inter-serveur, on aurait ce problème là. Tandis que là, vu qu'on sera toujours tous dans la même phase, il n'y aurait pas de problème là-dedans. Quoi. Je vois qu'il parle de pamplemousse encore sur le chat là. Alors oui, je suis désolé, je ne vois pas trop le chat pour le moment. Alors oui, n'hésitez pas sur éventuellement sur Twitter.
Vous pouvez poser vos questions, on vous envoie directement en fait à Team Geo en fait, le compte Team Geo qui est indiqué sur l'écran, qui est indiqué par là normalement, si je me trompe pas. J'ai pas le retour devant moi donc je sais pas où il est. Et ou alors vous pouvez utiliser le hashtag AskTeamGeo ou pour être sûr que je vois votre question, vous envoyez aux deux, comme ça au moins c'est clair. Voilà, ils s'afficheront ici en fait simplement. Voilà, il est 21h20, on va pas tarder à partir. Je vais voir si Kubak s'en sort. Là, la ligne de départ, elle se trouve où? Je sais pas si tu m'entends, je suis là. Ah, salut, ça va? Ouais, je te laissais venir de parler, je suis arrivé. D'accord, c'est gentil. Salut. Bon, tout le monde est là. Ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu quand même qu'il y ait un petit peu plus de monde. On va. Alors ce que je ferai, c'est que pour le départ, je serai pas trop en vocal parce que, en fait, sur le stream, s'il y en a qui écoutent sur le stream, il y en a qui disent il y a 2 minutes de décalage, ouais, ça m'étonne pas. Sur Twitch, généralement, il y a beaucoup de décalage. En plus, là, il y a des gros drops de frames apparemment assez vilains. Parce que de toute façon, ils doivent regarder le jeu en priorité. Oui, c'est le jeu, de toute façon, c'est le jeu qui. Alors je vais voir si je peux juste baisser un petit peu le débit. Aïe, 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 je suis en ADSL, c'est catastrophique. Là, je suis en train de voir éventuellement pour streamer parce que j'ai un bureau en fait. J'ai loué un bureau pour mon entreprise et on a une connexion fibre optique. Mais bon, j'ai pas de PC pour jouer donc je verrai s'il y aura moyen de jouer sur mon Mac en fait, sur mon MacBook Pro qui est assez puissant pour faire tourner les WoW, mais pas assez puissant pour faire tourner WoW et le streaming. Donc je vais voir, j'ai acheté un boîtier en fait. Je vais pas le sortir parce qu'il est là-bas, mais c'est un petit boîtier en fait de capture HDMI. En fait, ce serait utiliser 2 portables pour streamer en fait du WoW en mobilité comme ça et pouvoir profiter, aller squatter des connexions un peu meilleures pour faire au moment des events. Et du coup, je ferais peut-être les events, enfin du moins les events avec du stream dans des lieux comme ça avec une meilleure connexion. Et il devrait y avoir beaucoup moins de problèmes de drop, etc. Quoi. Ouais, bon là, ça, je comprends pas parce que j'ai limité à 512 et ça upload à 700 quoi. Bon. Bah écoutez, sur le chat, dites-moi ce que vous en pensez de la qualité, si ça drop beaucoup, enfin si ça drop, c'est-à-dire s'il y a des coupures dans le son, dans l'image. La qualité doit pas être super, ça doit être un peu de la bouillie de pixels. Bon là, peut-être pas trop maintenant parce que ça bouge pas, mais je pense que si je me mets à faire tourner la caméra comme Claude Lelouch comme ça, voilà, là ça risque d'être un peu de la bouillie de pixels. Mais bon, on va essayer de faire ça bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer. On va lancer l'event. Hein. Vous êtes prêts tous là? Attends une minute. Pas de souci. Alors je vais déjà leur demander de se mettre en ligne. Alors comment on pourrait faire ça? Bah la ligne de départ, on va la. Oh, il a fait un truc pour la matérialiser. Bah ce qu'on a qu'à faire, c'est qu'on. Attendez, qu'est-ce que vous avez comme monture? Est-ce que t'as un mammouth à tout hasard? Un mammouth en monture. Excuse-moi, j'ai la combo les gnomes qui est chez moi. qu'est-ce que tu veux demander? Est-ce que tu as une monture mammouth? Oui, bien sûr. Alors ce qu'on va faire, tu vas prendre ton mammouth de guerre noire. Je vais faire pareil. Et on va faire la ligne de départ en fait. On va se mettre, je vais mettre là, t'as 4 mètres au bout, tu vois. Alors il y a un petit souci, c'est que je vais me faire défoncer par la défense de Gnome Brogan. Je peux pas faire un pas sur la droite, il y a. Ouais. C'est vrai que t'es hors de. Alors. Je passe automatiquement en PVP avec le soldat. Bah écoute, t'es où là en fait? Tant que je te vois pas. Tant que je te vois pas au fait. Non, mais il faudrait. Moi, je putain, il y en a un qui s'appelle Coupe Coupe. T'as une spéciale dédicace, regarde. Spéciale dédicace. Il faut, target en fait, Kubak, voilà. La ligne de départ, moi, je te propose, c'est tout simple. C'est juste à la porte de Gnome Ragan. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va leur demander de. Peut-être pas au niveau de l'ascenseur. Voilà, on va leur demander d'entrer lentement. À la sortie, à la porte de ouais, entre les deux étendards, en fait. On va prendre les deux étendards comme ligne de départ. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais programmer une petite macro pour flouder un message pour dire que la ligne de départ est entre les deux étendards à la sortie du tunnel. Alors c'est bien, c'est qu'il y a ceux qui sont sur le stream qui ont capté le truc, qui se mettent déjà derrière. Oh
On est 4 coups, je t'interromps tant qu'il n'y a rien qui se dit. On est 4 coups back de l'ordre, on va se faire défoncer probablement dès le départ hein, à cause des défenses de Gnome Morgane, mais on arrivera très vite pour vous rejoindre et faire le ménage autour aussi. Ouais, pas de soucis, bah, au pire tu restes avec ta monture volante en haut et puis Ouais, on va essayer de se débrouiller tout seul. On va faire au mieux, je brief mes gars. Voilà, donc on va dire tout le monde dans le tunnel, voilà. Bon, ils sont pas tous dans le tunnel, mais c'est pas grave, voilà, c'est l'idée quoi. Ouais. Alors, ouais, c'est le moment de faire des petits screenshots, hein, parce que c'est le genre de truc qu'on fait pas souvent. On en fera de plus en plus souvent, bien sûr, mais on peut même tweeter la capture d'écran, c'est génial quoi. Voilà. Et on va tweeter. Ceci peut prendre quelques secondes. J'espère que ça va pas faire dropper de frame, surtout si je fais un tweet en même temps. Voilà, bon, il y a des bulles, il y a du piccolo des feux ardents, c'est un peu le bordel. Il y a une métaphore qui va nous sauver. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une monture déjà un peu rapide. Je vais prendre un truc stylé, tiens, le Killen Imperial est très bien. Hop. Allez, je vais. Autant je vais prendre une monture volante, au moins comme ça va tirer plus vite. Bah, celle-là elle est volante. Alors, ce que je vais faire. De filmer correctement. Alors, tous ceux qui sont sur le live et dans le jeu, pour le top départ, vous attendez pas le top départ en vocal parce qu'il va partir avec 30 secondes de retard. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le top départ en slash crié, tout simplement. Donc mon perso c'est Tigraël, hein, c'est pas Lenoué parce que Lenoué est sur Sargera, ça c'est un reroll. Donc quand je dis partez, en gros vous partez tous. Et juste pour vous expliquer un petit peu le chemin. Alors en fait, donc on va partir de Gnome Regan. On va suivre le parcours comme ça. On va aller tout le temps à pied, on va pas prendre le tram des profondeurs. On va carrément passer par les passages qui sont là, le passage de la porte sud. Et le passage de la porte sud, il nous emmène. Normalement, il nous emmène. Dans la gorge des vents brûlants. Pas tout à fait. Pas tout début. Il nous emmène d'abord dans le Loch Modan. Donc il y a un petit passage dans le Loch Modan. Ouais. Et on va passer. On va prendre ce passage-là. Voilà, on va prendre ce passage-là qui lui nous emmène. Je vais agrandir la carte pour que tout le monde voit bien. Voilà. Ce passage-là qui nous emmène justement dans la gorge des vents brûlants. Il y a un truc qui serait bien qu'il fasse bizarre, c'est que quand on clique sur la zone, ça nous change de zone. Voilà. Donc là, ce sera après. Donc voilà, ce sera la partie un peu chaude, c'est-à-dire qu'on va arriver par là, hop. Donc là, c'est des mobs assez haut niveau, enfin, niveau 40, 50, quoi. Mon roche noir, là, ça passe du niveau 60 carrément. Ta courseur par là, hop, on arrive à l'Exshire. En fait, on suit la route tout bêtement jusqu'à Stormwind, quoi. Et puis voilà. Alors avant, pour tous ceux qui avaient conçu la Team Geo depuis le début, je rappelle peut-être du rallye des pâquerettes, on a eu un fail en fait parce que à l'époque le tunnel était fermé par une grille et personne n'avait la clé, donc tous les gnomes se sont retrouvés comme des cons à la grille. Et on a dû, en fait, qu'on a donc du coup en fait ils se sont tous retrouvés en pack. Et c'était assez rigolo parce que quand ils ont passé en sortant du tunnel, ils ont tous level up en même temps, ça avait fait un truc assez génial. Donc là il risque de se passer la même chose plus ou moins. Alors je vais donner le départ, alors je vais faire vos marques préparées en gros quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est à vos marques préparées, hein, le classique. Hein. Oh là là. Il y en a qui grigent, putain je le vois là. Hein. Partez, allez c'est parti. Youpi. Et là t'as une horde de gnomes qui défile. Ça fait toujours une espèce de marée humaine, enfin si on peut appeler ça vraiment humain, parce que c'est plutôt des demi-humains ou des quarts d'humains même, on dirait. Bon, moi je laisse passer les gens parce que ils vont se faire attaquer en premier, comme ça on n'aura pas l'aggro de suite. Je sais pas pourquoi, voilà. Je cours en même temps qu'eux et pourtant je suis au milieu. T'as quel perso toi? Roquette avec un O circonflexe. R-O putain, R-O. Avec le chapeau. C'est K-E-T.
Merde, je suis en train de... C'est KUT. Ah, Woodings a été bloqué. Ok. Bah, sinon tu vas dans le social et puis tu as mon... Merde. Bon, désolé, il y a un petit fail, c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous voyez pas... aussi, vous voyez le chat là. Alors je vais réactiver voilà, la webcam, voilà, comme ça on va voir ma tête oh, à la place. Oh putain d'arbre. Ouais, mais les arbres, c'est tous des cons les arbres. Hein. Alors oui, en fait, bon, on va pas... Voilà, c'est pas trop grave si vous suivez pas complètement la route. Hein. Il y en a qui coupent un peu à travers champ, mais de toute façon, il y a des parties, voilà, il y a des parties, de toute façon. Vous coupez à travers champ, bon là, ça va, parce que c'est la noob zone. Mais quand mais ça va être... Merdes, hein. Voilà, dès qu'on va passer l'espèce de tunnel avec les deux engrenages, là, là, ça va être un peu plus chaud, parce que ça va être déjà être des mobs plutôt au niveau 5-6, voilà, avec un combo niveau 1, ça, c'est déjà un peu plus chaud. Donc, soit vous prenez beaucoup de risques en passant, en coupant à travers champ. Dans ce cas-là, vous allez peut-être gagner quelques secondes, soit vous finissez au cimetière. Et là, bah, c'est tant pis, parce que vous allez devoir raise et tout. Et là, c'est un peu plus compliqué. Je suis en train de finir dernier, moi. Tellement je lag. Fais chier. Ah, il paraît qu'il y a un buff, il y a un avantage avec les moines. Ça existe les moines. Bah oui, un pire démarrage. Il y a 10% de course rapide, j'ai l'impression. Ah, c'est possible. Voilà, les buffs marchent vent. Ah, bah dans ces cas-là, fallait faire. En train de finir dernier. Fallait faire que des gnomes moines. Oh là putain, il y en a qui sont en train de balancer, j'ai l'impression des. Ah non, c'est des balles, là, c'est ça. Putain, ils sont en train de jouer au foot avec. En train de s'envoyer des balles en cuir lourd, un truc comme ça. Eh, tu peux me repérer, je suis dernier avec une lame phosphorescente. Avec un sabre laser. Mais comment ouais. T'as fait pour être dernier? Ah putain, elle est super longue la file en fait. Je lag. Ah, je crois que je te vois, ouais. Coucou. Coucou, ouais. T'aurais dû lui faire des dreadlocks comme ça, ça aurait fait Rasta Rocket. Ouais. T'as un Rasta avec des cheveux verts, n'empêche. Bah, je voulais faire Gonzalez comme Speedy Gonzalez, mais il a pas voulu. Oh putain, je suis en train de me faire distancer. C'est une horreur. Ouais. Y a pas un raccourci non, il y en a pas. Attends, je vais voir si les moines sont vraiment devant parce que. Non, il y a un guerrier qui est devant les premiers. Docteur Fougère. Ah non, en fait, d'accord, je pensais que c'était la tête, mais non, c'est pas la tête, c'est juste le milieu du peloton en fait. Ouais, effectivement, il y a vraiment une échappée devant. Non, là, il y a un homme voleuse. Démoniste. Non, il y a de tout en fait, hein, il y a vraiment de tout. Alors lui, je lui disais, c'est bizarre, elle est Singnome qui fait 2 mètres de haut, qui a déjà le transfert, donc c'est juste une humaine en fait. C'est marrant parce qu'il y en a qui sont pointés à l'event en fait, qui n'ont pas fait un gnome mais qui jouent le jeu quoi, ils ont un perso au niveau et s'amusent comme ça à courir avec nous, c'est assez génial quoi. Moi je suis à la traîne. Ah non, il y a quand même un derrière moi, ça va. Attends, si je fais un slash poo, 1-3 par exemple dans la zone. Pour afficher le. Voir combien il y a de. Bah c'est. Dans un bout ils apparaissent pas en fait. C'est 50 donc vu que. Ouais. On est à priori plus 50, ça marchera pas. C'est surtout que les bas niveaux ils sont pas comptés dans le slash pool en fait, j'apprécie. Ah exact aussi, ouais. Parce que en fait ça aurait pu permettre de faire un petit recensement en fait. Ah faut grouper en fait. J'ai le soleil dans la gueule en fait, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un derrière moi, mais sinon je suis tout seul. Mais je comprends pas, t'as pas. Oui, enfin, si toi t'as pu attendre le départ sur Mumble, parce que toi t'es synchro, t'es pas sur le stream, mais. Non, ça va, mais j'étais dans le peloton et puis je me suis pris un arbre donc j'ai été ralenti. Voilà, c'est la faute de l'arbre, voilà. Ouais. C'est... Et ensuite, ben je rame, alors ça décale quoi. Bah, si tu veux, je te file le compte Facebook de Mike Morem, le PDG de Blizzard, tu l'ajoutes en friend et puis tu vas te plaindre. Ouais, non, mais c'est bon. J'ai une conversation de groupe aussi, si tu veux, y'a pas de souci. Hein. Putain, y'a le démo qui me rattrape là, j'ai pas envie d'être dernier. Hein. Non mais oh. Alors, juste, ouais, ça va, on va dans la bonne direction, ça va, parce que le ride des pâquerettes, le premier marathon gnome qu'on avait fait en fait, à l'époque c'était Supernovage qui était donc avec son perso Ali. Elle s'était gourée de direction, elle était partie dans l'autre sens en fait. Et donc on s'est retrouvé en fait avec la course qui partait dans deux directions différentes.
Et de toute façon, ça n'a rien changé parce qu'après, justement, on a eu le fameux fail avec la grille du tunnel qui maintenant a été supprimée. J'ai refait le passage, j'ai refait la course avant de. Oh putain, ils vont se faire défoncer les mecs, quoi. Je vais essayer de voir si je peux attaquer avec des. Non, mais c'est bien quand t'es dernier parce que tu te fais pas fracasser la gueule. Tu vois les cadavres de loups. Oui, mais c'est ça la stratégie d'un marathon au niveau 1. Moi, j'en ai fait une fois un marathon, ce que je fais le pas tant d'organiser. Premier. J'en ai fait un, et c'est vrai que j'étais arrivé, je crois que j'étais arrivé deuxième ou troisième. Mais quand j'étais. En fait, je faisais exprès, j'étais parti, j'étais vraiment. Déjà, j'avais fait un. Je crois que j'ai fait un druide pour être plus rapide. Enfin, j'avais fait un truc comme ça. Je suis dernier. En fait, c'est ça, j'avais fait un. On avait le droit de choisir en fait la classe qu'on voulait. Et j'avais pris un elfe de la nuit, parce que les elfes de la nuit ont une particularité, c'est que quand ils crèvent, le fantôme va vachement plus vite. Et vu que quasiment tout le monde est mort au moins un moment, parce qu'on passait par Sangleronce et compagnie. Du coup mon perso quand il mourait il pouvait se remettre assez vite. Et justement des fois j'en voyais qui étaient devant moi, puis je voyais genre un crocodile qui arrivait, j'ai dit je m'arrête, je ralentis un petit peu, tu vois comme dans Mario Kart quand t'as la carapace bleue qui arrive, tu vois, c'est pareil en fait. Et j'attendais qu'il prenne l'aggro, et donc généralement il se barrait un peu à droite, devant toi à gauche, et puis moi bah du coup je passais coucou salut. Et j'en ai gris. Ah ça c'est le genre d'image qu'on aime bien voir ça. Ah, des level up en chaîne là. Ah bah non, j'ai pas la course. Oh merde. Allez, les petits level up en chaîne. Alors peut-être qu'on certains qu'on tapait des qu'on commençait à taper des mobs au début. Je pensais que j'avais la charge du guerrier, puis finalement je l'ai pas. Alors je vais reprendre ma monture comme ça. Voilà, j'ai passé devant. Il y a des pièces d'or sur la route. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est la mascotte. C'est peut-être Kubak, le gobelin qui est en train de Non, en fait non, lui il les perd pas, il les ramasse derrière en fait. Je passe derrière la mascotte Diablo pour me servir de PO. Ouais. C'est quoi ces tremblements dans les couloirs? Bah ça, c'en est certains qui lancent des sorts, qui ont des jouets, enfin il y a... Non, mais même quand j'avais reroll en temps normal, ça tremblote quand même. Il y a peut-être des tremblements de terre, des avalanches, des trucs comme ça. Ah oui, et puis par rapport au cataclysme. J'adore, n'empêche, en gros, c'est ça qui est génial, c'est parce que là, tu vois, t'es dans une montagne enneigée, tu vois, il y avait quoi, 3 mètres de neige. On traverse un tunnel qui fait 20 mètres et là ça y est, c'est une forêt, c'est une prairie verdoyante. Ouais, mais on a changé de vallée. On est dans un microclimat en fait. Ouais, c'est des microclimats en fait, c'est ça. Cours Forest, cours. Ouais, allez. On va se corser bientôt, hein. Les gens ils vont rentrer dans la gorge des vents brûlants. Ça va faire mal. Tiens, il y a une image d'archimage. Je sais pas ce qu'il fout là. Bah ça c'est ouais, le... En fait... Ah putain, il y a un phasing qui s'est mis en place on dirait. Ou c'est juste le chargement. Non, c'est le chargement, ça va. Non. Vallée des rois. Là, je vais me prendre l'arbre. Ah non, ça va. Je me souviens qu'on avait fait le gnome Vestoren, là, on avait... Ils étaient tellement nombreux que ça mettait 3 plombes à charger les gnomes, en fait. Et donc tu dis, c'est bon, ils sont pas là, puis en fait, d'un seul coup, boum, t'as une horde de gnomes qui apparaît, et... Ah. Alors là, ce que je vais faire, Alors là, j'ai prévu un petit peu le coup. Je sais pas si ça va faire comme au rail des pâquerettes. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo... À ce moment-là, voilà, il y avait des level up en masse, ça faisait un truc assez joli. Donc on va attendre ici, on va voir ce qui se passe, on va voir si ça va faire des level up en masse ou si ça va le faire un peu avant ou après. Et pas de nettoyage, hein, telle personne. Ah ouais, non, mais voilà, après moi, on va avoir des... Je vais passer à travers. Vous voulez pas qu'on nettoie? Non. Si, nettoie un petit peu quand même pour qu'il puisse, enfin au moins au bord de la route, quoi. Après, okay. À travers champ, ça vaut pas le coup, je pense. Ah oui, non, ce qu'il faut dire, c'est qu'au rallye des pâquerettes, on n'était pas parti du même endroit parce que les gnomes commençaient là où commencent les nains à l'époque. Et lecteur cassette. Oh putain! Ouais! Putain, c'est bon ça! J'ai passé le troisième en partant de la fin. Putain, mais les combos sérieux, des fois, entre les titres et les noms, des fois, c'est épique. Franchement, les gars, là, vous êtes. Lecteur cassette, putain. Moi, je crois qu'il m'a tué en fait. Hein. Ouais, donc je disais, comme on partait pas du même endroit, y a peut-être un petit peu, ils avaient peut-être un petit peu plus de distance, un petit peu plus d'expérience en fait, au niveau de l'exploration. Et ils avaient vraiment level up tous en même temps à cet endroit-là, c'était assez joli à regarder. Ouais, mais là, il y en a la plupart qui n'ont pas. Qui ouais. Sont pas niveau 1 au départ. Et ils sont niveau 2 là maintenant. Non, mais en fait, le level up, je pense qu'il a eu lieu tout à l'heure, là, on en voyait quelques-uns qui étaient en train de level up, c'était à ce moment-là. Bon, il y a déjà des morts. Putain, mais le lecteur cassette, franchement, lui, ça va être la mascotte de la soirée, quoi. Juste pour le nom, quoi.
Je fais un screen parce que là. Oh, des poulets! Poulet, poulet, piou, piou, piou! Piou, piou! Oh, y'a une marmotte! Dégage! Shoot dans le bébé! Ben ouais, j'ai un doute, t'étais à Mons? Ouais, à Troll et Légende, ouais, j'y étais, ouais. Il semblait bien, j'ai pas osé venir te voir. Ah putain, bah t'aurais dû, hein! Ouais, il faut pas nettoyer parce que les moines ils sont avantagés, ils sont partis bien devant. Laissez les crever. Ok, il pourrait très bien distancer les ennemis. Hein. Alors, par où on va passer? Alors. Pour répondre à ta question, MP, comment on peut le dire sur le en vocal, hein, c'est pas privé. Hein. Okay. Qu'on était, ouais, effectivement, on était avec Myung à Troll et Légende et oui, on était costumés, effectivement. Donc, ok. Alors, il me semble l'avoir reconnu justement et je me suis dit que tu devais pas être loin. Bon, après, les Asiatiques en tenue médiévale, il n'y en a pas des masses non plus, donc. D'ailleurs, voilà, si ça arrive comme ça, si vous nous reconnaissez, des fois, bon, là, on n'a pas toujours le t-shirt Team Geo, bien sûr, mais comme ça, dans un lieu, une convention, un truc comme ça, de nous voir, hein, on mange pas. Hein. Oui, bah, il risque de finir en carpet. En carpet, ouais. Parce que là, bah, je pense que ici, c'est le plus court, à mon avis. Mais fais pas de nettoyage, hein, laissez les. Bah, on nettoie, on va juste nettoyer, voilà, les zones, genre ici, tu vois, toi, au niveau du. Ouais, mais pas trop, quoi. Pas trop les aider. Bah, faut qu'il y en ait un. La Kuba 4 coups, on est trop efficace. Non, mais en fait, c'est parce que. C'était un moment d'autopromotion. Kuba et Echo, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils prennent tous les mobs autour et ils ramassent bien les PO en fait, surtout. C'est ça qui est important. Regarde, on va sécuriser la zone. PO par ici. Ouais, c'est plus, même plutôt des PC, je pense. Si je prends un fly, ça. Non, je vais tricher, c'est pas bien. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que je suis passé en peloton de tête. Ok. Alors, ici, il vient d'avoir un fait, le chat vient de se casser la gueule. Parce que le chat a son coussin sur l'imprimante. Et le coussin a glissé, le chat avec. Maudit chat. Donc, le chat est comme un con, il est là, genre, c'est bon, l'air de rien, même pas mal, tu. Ne nettoyez pas trop, il y en a qui se plaignent. Okay. Alors là, pour le passage, là, honnêtement. Quelques-uns d'ennemis. Honnêtement, le passage ici, je sais pas si c'est plus court de passer en haut ou en bas. C'est plus simple de passer, c'est plus rapide de passer de ce côté-là, hein, vous voyez. Donc vous pouvez passer à droite ou à gauche. De toute façon, en principe, ça va être pareil. Enfin, au niveau des mobs, ce sera pareil, mais c'est un petit peu plus court par là. Mais je me souviens qu'on avait fait le rallye des pâquerettes, on était sur Sargeras, oh, à l'époque. Putain, je vais me faire tuer. Ah 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 ah. Lol. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Où suis-je? Oh putain, je vais me faire tuer là aussi. Ce que je disais, c'est qu'on avait fait le rallye des pâquerettes sur Sargeras. On était passé là, on était tombé sur des hordes. Sauf que comme c'est un serveur PVP, on s'est dit putain, c'est des mecs qui sont là exprès pour l'event, ils vont faire exprès, ils vont mettre une AOE dans le tas et tout, ils vont défoncer les gnomes. Donc on était 2-3 accompagnateurs devant, on les a défoncés. En plus, les mecs, ils étaient pas au niveau, ils étaient niveau 60, un truc comme ça, quoi. Et en fait, non, ils étaient pas du tout au courant, ils étaient juste venus faire leur quête tranquillement, faire un petit donjon au calme. Et nous, on les a défoncés comme ça, ils ont rien compris. Alors, on les a défoncés, et après, ils se sont fait rouler dessus, leurs cadavres se sont fait rouler dessus par une horde de gnomes. Je pense qu'ils ont. Vous pouvez sauter dans la lave, ouais. Petite astuce, vous pouvez sauter dans la lave, au fond, il y a un coffre. Non, il paraît que c'est un raccourci. Ah ouais, non, puis après, il y a une fée qui va vous. Il y a un portail direct, voilà, c'est ça, ouais. Et après, vous aurez gagné. Je suis sûr que je vais tomber dans la lave. Vous allez gagner une monture gratuite. Là, on dirait, c'est un petit peu les messages de phishing là, qu'il y a sur. Tu sais, les farmers chinois, ils envoient des fois, ils disent. Généralement, ils ont un nom, ils ont écrit Blizzard, mais avec des fautes d'orthographe, ils disent. Bonjour, tu as gagné une monture gratuite, inscris-toi sur le site wobolk.cn et puis on t'envoie, on te pique ta carte bleue, ton mot de passe et voilà. Mais il y en a toujours qui se font avoir, hein, des débutants en fait, qui viennent vraiment de commencer WoW, même les MMORPG, parce que pour beaucoup WoW c'est leur premier MMORPG.
Et il y en a énormément qui se font avoir là-dessus, quoi. Alors pour ce qui est histoire des vols de compte, ça c'est arrivé, bah Supernova, à un moment elle s'était fait hacker son compte parce que elle avait joué, je crois que c'était à Ion. Et en fait, Ion, les serveurs de Ion ont été piratés. Et les hackers en fait ont réussi à extraire les mots de passe. Donc ils devaient être en clair dans la base, le truc qui était bien, bien pourrave, quoi. Et simplement ils ont essayé le mot de passe sur son... Ils ont essayé tous les mots de passe qu'il y avait sur les comptes WoW et ils ont piqué plein de comptes WoW comme ça du coup. Et finalement ça a été super efficace parce que c'est genre en... Déjà la procédure de récupération du compte WoW ça se fait en quelques minutes, c'est automatique. Et on a tout, voilà, elle a récupéré son compte vraiment en quelques minutes sans problème. Toutes les PO, tous les items sont revenus par la poste automatiquement. Il y avait juste la banque de guildes en fait, qui allait, parce qu'on a une banque... On a une banque de guild Géo sur Sargeras. Les PO avaient été payés, donc du coup on a dû faire une requête MJ et puis ils ont mis comme c'était quoi. Salut Tancor. Oh, il y a Tancor. Ouais. Attends, je vais l'inviter sur Mumble. Alors je vais lui parler sur Facebook. S'il est sur Facebook, ça sera peut-être plus facile. Parce qu'il était pas sûr de venir en fait, parce que je crois qu'il était chez ses parents et je pense qu'il vient d'arriver. Alors il y a un grand élémentaire d'obsidienne là. Ah, il est en évite, d'accord. Ah oui, alors il est en évite celui-là, donc ça veut dire qu'il va revenir. Ouais, déjà là c'est déjà bien, bien clairsemé. Il y a des petits packs en fait de 5 gnomes en fait. Ils sont complètement séparés. Il y a un gros pack devant avec les lecteurs de cassette toujours. Alors là c'est un petit peu flou parce que la route est un peu effacée. Voilà, on va dégommer les. On va trouver. Mais je te sauve. Oh putain, l'autre il est pixel quoi. Dis, tu veux pas mettre ta monture de grès? J'ai pas de monture de grès et j'ai pas de forme de vol, de druide là, de cerf là. Ah, je suis un paladin. J'ai une monture spéciale paladin que les autres peuvent pas avoir. Il fallait aller passer à gauche. Non, à droite. Non, mais le passage il est par là. Je vais faire un jet qui vient un petit peu comme ça, voilà. Oh, il y en a qui va se faire violer. Allez. Un de moins. Voilà, je fais un petit peu de ménage. Ah, bande d'autricheurs. Oh, un loup. Tu sais, quand tu vois le loup qui arrive comme ça, t'as les gnomes devant. En fait, là j'imagine juste le mec, tu vois. Le gros suspect, il regarde bien, c'est qui a l'aggro, tu vois. Et celui qui a l'aggro, il se dit merde, c'est pour moi. Ah, il y a encore plein de petits mobs à la con. Ah non, il y a quand même deux derniers derrière moi. Ok. Bonheur et sauf. Mais ça va faire. Non, ça va faire pas d'XP ce qu'ils sont pas avec. Y'a des gens qui meurent ou pas? Je pense qu'il y en a qui meurent, ouais. Moi je suis mort. Ah bah voilà. Non, bah là ça t'est relativement clean, y'a pas eu trop de morts apparemment. Alors sur les niveaux 100, ça coûte pas. Ouais. Il faut que j'avance. Vous êtes en train de combattre. Ok, il en restait un. Nous on fait voiture balai, on protège les derniers. Il y en a un qui va se faire violer là-bas. Tu m'en essaies. Oh putain, je suis dégoûté, j'étais premier, je suis mort. Oh, je suis dégoûté. Bah. Moi j'ai un garde du corps, il est très gentil avec moi. Bah j'ai perdu le marathon, tant pis. Parce qu'il y a du monde là-haut, ouais, non, je vais pas monter sur la colline. Où est-ce qu'ils en sont les premiers? Alors je sais pas, parce que je vais repartir justement, je vais prendre de l'avance. Ouais, va voir devant. Ah, il y a un nouveau follower. Ouais, n'hésitez pas à follow la chaîne Team Geo pour pour être au courant des prochains streams. Hein. Parce qu'effectivement, si vous voulez pas participer aux events, vous pouvez au moins regarder ce qui se passe sur Twitch. Alors aussi, un autre petit truc dont je voulais vous parler. Il y en a qui ont vraiment pas de patience, hein. Les pauvres petits. Je vais vous parler d'un petit truc également. J'ai ouvert en fait un compte PayPal pour la Team Geo. C'est un compte en fait qui est destiné à recevoir des dons, donc vous pouvez faire déjà des dons, ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez, il y a un gros bouton faire un don, vous pouvez mettre 1€, 2€, etc. Ah, oh, putain, le vilain. Vous pouvez même mettre un petit message, faire passer un petit message à l'antenne si vous voulez, il sera lu en vocal, en fait il y a une espèce de synthèse vocale qui va dire le message.
Et ça arrivera sur le compte de la Team Géo, sur le compte PayPal de la Team Géo. Et ce compte, en fait, il va servir pour acheter des cadeaux, simplement, pour faire des concours. Parce que bon, on pèse pas encore assez pour que Blizzard nous file des cadeaux, etc. Donc, à faire gagner. Donc, on va, voilà, si vous envoyez des dons comme ça, de 1 euro, etc. Ce sera bien ces cagnottes et ça servira à acheter des goodies, etc. pour les faire gagner. J'ai éventuellement aussi réfléchi, voir s'il y aurait moyen de faire une tombola sur, genre sur Kickstarter ou un truc comme ça. En gros, le principe, c'est que quelqu'un donne 1 euro, ça lui donne un ticket. Il met 5 euros, ça lui fait 5 tickets, et après il y a un tirage au sort tous les 100 ça euros. Va pas mourir. Et les gagnants gagnent une peluche Morlock ou un truc de leur choix dans la boutique Blizzard par exemple. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette idée là, ceux qui sont sur le chat, dites-moi ce que vous en pensez. Les diablotins à la porte des gorges. Alors là, je comprends pas très bien ce que. Je sais pas où vous êtes en fait, je suis tout on seul. On est à la porte, moi je suis à la porte, je rentre dans les Carmines. Ah, vous rentrez juste dans les Carmines en fait. Ah oui, mais ouais, toi. Ouais. Et coursé par des diablotins de merde, je vais me faire tuer encore une fois. Mais en fait, c'est les autres, je les vois pas et je sais pas s'il y en a qui sont. Kubak, toi, t'es où exactement? On est sur le pont, on a buté quelques diablotins. D'accord, donc je vois un gnome qui passe. Je vois Zayak. Putain, il a bien un nom prononçable. Zayaz. Il y en a quelques-uns. Il y a Micropédix qui est devant avec Norelei. La tête de fille, elle est située à quel endroit? On est dans la gorge là avant d'arriver sur les Carmines. Oh là là, Zaya, comment je vais sauver la mise? La porte des Carmines. Ouais, mais toi t'es à l'arrière donc. Il y aurait Salamage qui triche. Ah, je suis en train d'ouvrir un petit peu la GG Zayaz, il vient de level up. Là je suis avec Zayaz, je sais pas s'il y en a d'autres devant. Là j'en vois un avec une moto, mais c'est un Twink niveau 19, enfin c'est un reroll quoi. Donc ce que je vais faire, je vais passer un peu devant. Non, c'est bon, désolé. Je vais me débrouiller. Il y avait un ennemi qui était buggé et du coup il a défoncé pas mal de gnomes sans qu'on puisse le tuer. Ah oui, c'est-à-dire qu'il était en évite et puis t'as pas pu... Ouais. Alors, je vais faire un petit tour devant, là, je suis avec Zayaz et compagnie, il y a Zayaz... On arrive à la ville, là, on arrive à côté de l'Est, ou je sais pas quoi, là, à côté du lac, je veux dire. Ouais, et vous êtes vachement vachement loin, donc ce qui est intéressant, c'est... Ah oui, d'accord, je vois Turbulo le pèlerin, je vais voir s'il y en a d'autres... Ah oui, en fait, je suis vachement à la bourre, en fait, et là, il y a un gros pack qui vient d'apparaître juste devant, quoi. Il y en a deux qui... Là, on est en train d'arriver au pont de côté du lac. Ouais. Mais nous, en fait, on est déjà dans la forêt d'Elwyn et on est bien, bien avancé, quoi, en fait. Ah ouais, d'accord. Oh putain. Je suis avec 4 au défilé des roches noires. Bon, après, c'est clean, je sais pas s'il y en a derrière. Alors, moi, je suis dans la forêt d'Elwyn, il y a le lac du Cairn, en fait, il y a un petit pont. Je suis à cet endroit-là. Je regarde un peu devant si j'en vois d'autres encore. Alors, ça, c'est un reroll sur un griffon. Oh, il y a un tricheur. Ah ouais, bah ça, il y en a toujours. Ouais, tu les élimines. Font pas partie de la course. Peut-être qu'il aurait fallu les grouper les gens et. On peut pas les grouper les niveaux 1. On peut pas les grouper parce que. Il y a des gens qui vont voir le fly là. Ouais, mais le fly ils pourront pas faire grand chose parce qu'ils auront pas les destinations associées donc ça marchera pas. Oui, ça peut faire, si le fly on pouvait aller à Hurlevent, j'ai testé. putain. Bah, de toute façon, c'est pas dur. Enfin, là de toute façon, la tête on voit où elle est. Ouais, bah oui. On voit Wallet, donc effectivement, il y a un gros pack qui a Finalis qui est en tête. Après, il y a Zayasus. franchement, c'est vraiment le pseudo qui est vraiment parfaitement raccord avec l'ambiance à l'auberge à cette heure-ci précise, à cette heure précise là. Niveau 3. GG. Ah. Décalac aime ça et en veut encore. Le coquin. Ah, oh, j'ai plus de jambes là, j'arrête pas de courir, c'est pénible. Ah, tu vis à fond ton perso. Vas-y, abonnez-vous à fond pour faire apparaître la succube trop sexy là. Sur Switch, cliquez sur le bouton follow en bas du player, il y a un petit cœur, et ça fait apparaître la succube. Et même, si vous faites un don, vous allez voir, il y a Kubak qui va apparaître à l'écran, je vous jure, c'est pas des conneries. Vous allez voir Kubak apparaître. Avec une petite animation, vous allez voir, faites un don, faites un euro, hein, vous ruinez pas non plus, hein, c'est pour offrir des cadeaux, hein, c'est juste pour ça.
Parce que tout le matériel et tout, on a ce qu'il faut, donc ça sert à rien qu'on n'a pas besoin de se faire financer pour ça. Mais c'est vraiment, c'est juste les cadeaux, etc. Donc n'hésitez pas, faites des dons, vous allez voir, ça fait à part des petites animations rigolotes sur le stream. Bon bah, ça me paraît bien avancé. Alors suivez bien la route quand même, parce que la ligne d'arrivée, c'est les deux arbres en fait qui sont à l'entrée de Comté du Nord, mais vraiment, enfin Comté de l'Or, Comté de l'Or, pas Comté du Nord, Comté de l'Or, hein, C'est là. C'est un participant parce que là il est avec sa moto niveau 3. Hein. Ouais, mais ouais, de toute façon il y en aura forcément qui vont gruger. Ben Fire Axor, tu peux le virer. Bah c'est, je peux pas le virer, mais s'il passera, on dirait que c'est pas lui quoi. Voilà, on t'a reporte. De toute façon, là, on voit ceux qui jouent le jeu. Là, il y a quoi, il y a Yel, Dunyu, la pèlerine. Voilà, il y a après, c'est des hauts niveaux. Il y a effectivement Corganis qui est sur une moto. Bon, t'es grillé, Corganis, hein, c'est mort. On t'a grillé. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre là. Alors, je vais essayer de pas faire une photo finish, mais ça va être un peu chaud, je pense. Hop, tac. Voilà, donc j'ai fait deux screens. J'ai pas le temps de voir tous les noms. Donc, les trois premiers sont arrivés. Bravo à vous. Alors, j'ai juste regardé la photo finish. On voit pas grand chose sur celle-là. On va avoir peut-être mieux sur l'autre. On va la tweeter en même temps. Voilà, donc on va se baser là-dessus pour. On voit pas grand chose. Il y en a un là. Il y en a un là. Et je crois qu'il y en a un par là. Là. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les. Je vais mettre un petit peu AFK, entre guillemets. Je vais regarder les screenshots en fait. La ligne d'arrivée exacte, c'est dans l'auberge. La ligne d'arrivée, c'est les deux arbres en fait qui sont à l'entrée. C'est les deux arbres. Donc là en fait, on va voir. Je me suis placé à cet endroit-là. Et donc je laisse un petit message de flou là pour dire au gnome de rester à compter de l'or. Pour l'arrivée. Après, éventuellement, pour aller à Stormwind, enfin, pour le moment, on reste là. Et voilà, ouais. Tous dans l'auberge. Alors, en plus, je viens de faire un lapsus, une faute de frappe. Je sais pas si vous avez vu, j'écris tous dans l'auberge. C'est pas fait exprès. La sécurité horde va rester loin. Ouais, rester à l'écart. Alors, je vais regarder les. J'ai regardé les screenshots de l'arrivée. J'ai fait 2-3 screens à la suite, comme ça je vais avoir les noms. Faut juste que j'ouvre mon répertoire où, etc. Screenshots, voilà. Puis j'ai la tweeter en même temps, tant qu'à faire. Hein. C'est pas mal ce truc de tweet dans le jeu en fait, je trouve ça rigolo. Alors pourquoi est-ce que j'ai qu'un seul screenshot en fait? J'en ai pas deux. Allez les gnomes! Alors, je vois qui en premier? Je vois Yel Doulinou. Ensuite, il y a Corganis, mais lui, il avait sa moto, donc il triche. Ah, c'est Zayasus. Bravo. Et Zboubil. Ensuite, c'est Bûcheron, Salamèche, etc. Donc, je vais essayer de récupérer déjà l'orthographe correcte de leur nom pour savoir qui est qui. Et puis... on est obligé de façon de faire un screenshot ou de faire une vidéo de l'arrivée de genre de course, sinon c'est impossible de trouver récupérer les noms des gagnants en fait. Yel Doulinou. Je vois les lueurs de la maison, j'arrive. Alors Corganis, il a triché. Il y a aussi, je t'ai dit, comment il s'appelle? Fire Axor. Ouais, mais lui on le voit pas sur le screen. Ouais, mais il est arrivé en moto, il a triché. Voilà, c'est Zayasus avec un... Alors, il a quand même mis Zayasus avec un tréma sur le U. Ce qui veut dire que Zayasus, il y a quand même déjà quelqu'un qui avait pris le nom avant, en fait. Mais bon, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est une sucette ou... C'est dans l'auberge. Oh, des chewing-gums, merci. L'arrivée, c'est dans l'auberge. Ouais, enfin c'est entre la ligne d'arrivée, c'est entre les deux trucs. Puis après, effectivement, c'est rendez-vous dans l'auberge pour voilà pour la fête quoi. Zayasus, voilà. Putain, mais j'imagine tous les mecs sont en train de vouloir RPQ tranquillement. Là, on va rentrer dans l'auberge. Après, on va voir s'il y en a qui étaient
qui étaient dans les lits et tout, en train de faire des trucs bizarres. Et Zboubi, je sais pas. Zboubi. Au niveau de la tour d'Azora. Alors malheureusement on n'a pas les temps parce que quand on fait une vidéo avec Fraps par exemple, on peut avoir les temps a posteriori, c'est-à-dire que quand à chaque fois qu'on lance Fraps, c'est quand il crée le nom de la quand il crée la première vidéo, il va te mettre le, en fait le nom de la vidéo c'est la date. Donc après avec le nombre de frames écoulés, on peut chronométrer, avoir le temps exact en fait comme ça des coureurs à l'arrivée, mais là malheureusement c'est pas le cas. Donc ouais ça a duré ouais bien les 22h, ouais ça a duré une bonne petite demi-heure la course quoi. 20-25 minutes quoi. Ouais, bravo. Bravo. Du marathon d'homme. Ouais, faites péter les selfies hein. On va faire un petit tweet hein, pour le, avec la photo finish, comme ça vous allez tous pouvoir la voir. Bon, ce sera sur le compte. Non, c'est sur le compte Lenway parce que j'ai pas paramétré Team Geo. Je vais retweeter avec le compte Team Geo. Si j'arrive à retrouver le. J'ai tweeté directement sur le compte de la Team Geo. Ouais, pareil, n'hésitez pas à follow le compte Twitter Team Geo hein, pour vous inscrire sur le forum, enfin tout ça quoi. Parce que là on a fait un petit event comme ça, mais on va en faire plein d'autres après. Vous voyez, on est nombreux déjà sur Mumble. Toutes ces personnes-là vont faire des events pour vous, donc. Bien sûr, ce que je fais toujours également, il y a toujours le quizbook, je fais généralement une fois par semaine. Bon, je l'ai pas fait cette semaine exceptionnellement parce qu'il y avait Steven là préparé, plus plein d'autres trucs à préparer pour la Team Geo, plus des trucs IRL aussi, donc il n'y en a pas eu cette semaine, mais je pense que j'en ferai dès la semaine prochaine, je reprendrai les quizbooks. Donc, lecteur cassette. oui, c'est énorme. Ah non, mais lui, c'est un champion. Le découvreur niveau 3, Jean-Claude Tuss. Qui essaie de taper notre chef de la sécurité. Bonne chance. Alors on va faire une petite fête, hein. On va attendre que tout le monde arrive, on va commencer à faire la grosse stuff. Hein. Mmh. Alors je vais faire un petit peu de social là, je vais aller un petit peu sur Twitter, j'ai posté quelques trucs. Bon alors j'ai pas vu de questions hein, sur Twitter, hein, n'hésitez pas si vous en avez. Hein. Bon ça peut-être spammer un peu le stream là, ce que je suis en train de retweeter des trucs. Et l'iPhone qui s'énerve. Voilà, donc là on va faire la fête. Alors tous ceux qui sont qui suivaient le stream là, qui est in game, allez-y, balancez tous les jouets, les boules à facettes, les coussins et tout ça. Je vais faire un petit tour dans l'auberge quand même voir ce qui se passe. Oh bah il y a de la pétasse. Allez tous dans l'auberge, allez tout le monde dans l'auberge.
Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai invité les gagnants en fait. Je vais les grouper. Ah mais ils s'appellent tous Zaya, c'est pas possible quoi. Alors, est-ce qu'ils étaient l'autre, voilà. Zayasus. Allez, déjà dans un groupe. Zayasus, si tu m'entends, des groupes pour la remise des prix. Alors là j'adore parce que en fait il y a tous ceux qui étaient en train de. RPQ, voilà, ils se retrouvent avec ça. Et là c'est vraiment tous les gnomes qui sont rentrés d'un seul coup dans l'auberge là, je sais pas si vous avez vu, il y a 30 secondes il y avait rien. Et là ils se retrouvent avec un truc comme ça. Oh le bordel. Ok, je suis en train de me demander pourquoi mon clavier marchait plus, je me suis assis sur un sofa sans le faire exprès. Ah bon, on peut pas cliquer, on peut pas... On... Il y a... le mec en train de se faire griller dans la cheminée. Tout va bien. Ah, c'est le bordel, voilà. Je ne sais que dire. Alors pour info, hein, vous pouvez aussi monter dans les chambres parce que dans les chambres il y a des gens qui font des trucs aussi, hein, vous pouvez venir les embêter. Alors est-ce qu'il y a des gens dans la chambre? Non, il est PNJ, tiens. Non, on va monter pas, y'a rien en haut, c'est pas intéressant. Alors j'essaie d'inviter les les gagnants, mais Oh putain, le bordel. Alors ce Booby, je sais pas où il est, j'ai l'impression qu'il a des coups en fait. Le star écrit sur Twitch. Un point info, finaliste et cassette, moi-même, avant franchi l'arrivée en premier. Bah, je sais pas. J'ai pas vu les... Le problème c'est qu'on était devant. Alors je sais pas, parce que j'étais vraiment devant quand il y avait tous les gnomes. La ligne d'arrivée c'était bien, c'était vraiment les deux arbres en fait à l'entrée. Je vais vous remontrer dehors pour. En fait, voilà, c'était vraiment cet arbre là en fait, ce gros arbre, et puis celui-là en fait. C'était ça la ligne d'arrivée, donc c'est pour ça que sur le screen en fait on voit. Bon, on les voit qui franchit cette barre là. Et pas la tueur, il est niqué niveau, lui il est niveau 96, donc c'est bon, je vais me faire défoncer. C'était ça, alors peut-être que vous êtes arrivé de l'autre côté. Non, c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu en fait, mais j'ai vu personne d'autre, hein, parce que j'étais vraiment devant en fait, devant tout le monde à ce moment-là, et j'ai vu personne en fait, donc je sais pas. Pourtant, cassette, lecteur cassette, c'était facile à repérer, t'étais en taurenne, tu faisais 10 fois la taille des autres. Je t'ai vu dans le peloton justement, pas avant, mais je t'ai pas vu après, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, quand même, big up à Finalis et à Cassette parce qu'ils étaient quand même bien avancés. Et bon, quand vous êtes cool, les gars, je vais vous offrir un petit cadeau également. Alors les petits cadeaux, ça va. J'ai passé en full webcam parce que c'est une surprise. Je vais emballer des petites surprises dans des... Non, j'ai pas acheté de paquet cadeau, mais c'est pas grave, on peut en trouver pas loin.
la webcam c'est 7, voilà. J'avais pas pris la bonne scène. Alors je vais préparer les petites surprises pour tout le monde. Alors malheureusement ce Booby, je sais pas si tu m'entends, mais il semblerait que tu sois déco du jeu. Donc je vais te mettre un cadeau au frais et puis tu... Je l'envoie par la poste et puis tu récupéreras. Alors pour information, ce sont des petits c'est des cadeaux in-game, hein, c'est, vous attendez pas un truc colossal. Ce sont des petits cadeaux que vous pouvez utiliser sur tous vos persos, donc pour les récupérer sur un niveau 1, c'est lié au compte. Bah, je pense que vous avez deviné ce que c'est. Donc je suis en train de les préparer là. Mascotte. Chut. Oui. Non, en fait c'est ça, c'est-à-dire en fait ce sera des mascottes. Alors en fait c'est des mascottes qui sont assez qui sont pas forcément très très fréquentes quoi, c'est des mascottes rares pour la plupart. En fait je les ai apprises et simplement je vais les mettre en cage et vais les offrir, donc je suis en train d'emballer tout ça. Alors, ça en fait des trucs, hein. Sinon, vous autres, qu'est-ce que vous aviez comme idée d'event qu'on pourrait faire comme ça, histoire de se détendre un petit peu? Moi, ça fait des années que je dis qu'il faut que je refasse mon championnat du monde Biglotronic, avant même que les combats de mascottes existent. J'avais fait une espèce de championnat Horde, Alliance, et puis une finale Horde contre Alliance. Il faudrait que j'arrive à le reprendre, mais bon, ça demande pas mal de taf. Moi, Gamor, je vais tout. Ça consistait quoi en gros ce championnat? C'était des bastons, comme il n'y a pas de mascotte à l'époque, c'était à base de chariots à vapeur. Ouais. Donc ça pouvait se faire par équipe, en solo, tout ça. Et t'avais des éliminatoires dans les différentes capitales des différentes factions. Et j'avais eu 200 participants à peu près, par des équipes de deux. Et la finale elle s'était faite devant Rimar. Et bon, j'ai fait. Ah, c'est pas mal, ouais. Des fausses affiches, des trucs comme ça. Ça a vachement marché. Puis l'avantage, c'est que c'était sur la durée. Mais bon, voilà, ça demande du taf, quoi. J'ai pensé, moi également, comme le dessin animé Fairy Tail, à des combats de magie. Enfin, des combats tout court, quoi. Mais vraiment un concours avec les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs, monsieur. Voilà. Non mais voilà, ça s'inspire un peu de la série de Fairy Tail qu'ils ont fait là avec concours de combat de magie, les épreuves, etc. D'accord. Ouais. Alors, par exemple, il y avait un labyrinthe. C'était une ville labyrinthe, donc on prend Hurlevent par exemple. Et il y avait plein de gens qui se ressemblaient, c'était des images miroirs. Et le premier qui touchait une image miroir, ah, bah, c'était perdu. Ou alors c'était le gars, enfin bon, il y avait plein de trucs comme ça, mais il faut trouver des variantes. Bon, alors Yel Duino, je sais pas où tu es rendu. Alors je vois qu'il nous wisp, Gloren, si vous avez un jour besoin d'un petit financement en PO sur le serveur, dites-le. Le fait les PO, ça ne sert pas trop, ce serait plutôt envoyer des mascottes, des trucs comme ça, des objets rigolos comme ça, vous pouvez crafter, qui sont pas forcément très très connus. Voilà, les objets inutiles, donc absolument indispensables. Vous envoyez ça comme ça par la poste sur mon perso, sur Tigrael, sur Skyrimtor ou sur les Noués, sur Sargeras, pareil. Et effectivement, c'est typiquement le genre de truc qu'on cherche, quoi, des petits cadeaux comme ça, déjà tout prêt, plus qu'à emballer en fait. Parce que les PO, enfin les PO, on fait pas grand chose avec des PO finalement, quoi. Alors attends, donc Yelduino, donc alors là je vais Alors Yelduino, je te donne ton cadeau. Félicitations à toi. Ensuite, c'était qui? C'était Zaya. Zaya, donc pareil. En seconde place, c'est... Oui, c'est Zaya, c'est toi, ouais.
Donc pareil, je te donne ton cadeau. Je sais pas si ouais, tu es à côté, voilà, c'est parfait. Et troisième, c'est Zboobie. Alors je sais toujours pas si tu es là, Zboobie, là t'as peut-être des co-os. J'essaie de te parler, non bah. Alors tu as déconnecté, donc ton cadeau va rester ici dans mon sac. Je te l'enverrai par la poste, y'a pas de soucis. Et on a dit donc effectivement, bon, il y a eu un petit quiproquo avec lecteur de cassette et je sais plus son copain, Finalis. Donc bah Finalis, lecteur, vous allez vous mettre. Je sais pas si vous me voyez. Vous allez rapprocher de moi, ouvrez-moi un trade. Je vais vous donner des petits cadeaux de consolation en fait. Ouais, vous voyez, lui, nous, a eu un tigre spectral par exemple, voilà, très très beau cadeau. Financé par Blizzard, par Mark Murray en personne, il est venu chez moi hier, il est venu, il m'a donné la carte avec le code, etc. Non, j'ai code, hein, bien sûr. Alors, cassette, bon, tu vas avoir une petite compensation. À... Bon, voilà, c'était au moins pour le pseudo, parce que la combinaison entre le pseudo et le titre, c'était quand même juste épique. Et finalise, voilà, parfait. Donc, pareil, j'ai offert un petit truc, voilà, donc. Alors, hop, il y a une barre de fenêtre de chaise qui est en train de se barrer. La finaliste qui me dit en Wisp, c'est génial que vous soyez revenu. Bah, c'est vrai que. Bon, en fait, il y a quelques mois, je jouais pas trop à haut parce que j'avais pas le temps, j'avais pas mal de boulot, j'étais souvent en déplacement à Paris, etc. On avait 50 trucs, plein de trucs à gérer et je jouais quasiment plus à haut en fait. Je jouais surtout Hearthstone. Je m'étais remis un petit peu à Warlords en fait, puis l'alpha, puis la bêta, j'ai joué un petit peu, on avait fait un stream d'ailleurs. Mais c'est à peu près tout en fait. J'ai quasiment pas joué et monté ce paladin justement. Et c'est vrai que les events d'en haut ça m'a manqué. Puis j'ai vu, bon là par exemple Amitwin qui avait annoncé qu'il allait faire un live avec Cyprien et tout. Je me dis, ouais, ils vont faire un super gros event, ça va être génial. Bon, malheureusement, Blizzard les a pas autorisés à faire l'event comme ils voulaient, c'est-à-dire inviter les viewers et tout, simplement parce qu'il y aurait trop de monde et ça aurait juste crashé les serveurs. Donc du coup ils ont fait ça un petit peu sur un serveur anglais, un petit peu dans leur coin, et c'était pas si fun que c'était prévu. Mais là voilà, j'ai l'impression que tout le monde a envie de refaire des events parce qu'il n'y a pas trop de nouveaux contenus en ce moment. Bon, il y a un patch qui va sortir bientôt, le patch 6.2, mais bon c'est pareil, c'est... Là, en ce moment il y a un... Là, on s'occupe. Ouais, on s'occupe, voilà, donc c'est pareil, je refais, donc du coup, la Team Jour fait des events, Mami Twin Pie va faire des events avec Zerator, je pense que ça va être assez violent ce qu'ils vont faire. Bon, on y sera forcément, bien sûr, hein, on va pas rater ça. Donc allez-y aussi, bien sûr, hein, dès que ce sera annoncé. Vraiment, là, on va avoir beaucoup plus de petits events rigolos comme ça. Et franchement, ça fait plaisir de voir tout le monde qui est venu. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde que ça. Je me disais, ouais, il y aura peut-être 20 gnomes, 30 gnomes, un petit peu comme au Rallye des Pâquerettes. En fait, il n'y avait pas eu tant de monde que ça. Oh, un bigotron! Et bigotron, fais-moi plaisir. Une monture. Attention, qu'est-ce qu'il y a dans le bigotron? On va le découvrir ensemble. Il y a de la merde en fait. Je sais pas pourquoi ça va pas se refermer. Voilà, il y a de la merde. Bon, tant pis, on essaiera la prochaine fois. On aura peut-être plus de chance la prochaine fois. Bon. Allez, faites des photos, faites péter les screens, allez-y. Ok, je me suis pris un masque, un masque de Majora sur la tronche, on dirait. Voilà. Bon, bah. On va peut-être pas s'arrêter là, il est que 22h. 22h20. Attends, ça... on pourrait filer à Orgrimmar. Ouais, on pourrait se faire un continuer, on reprend ça, on va à Orgrimmar. Puis on va faire chier l'ordre un peu. L'escorte, est-ce que vous êtes chaud pour continuer le chemin, aller passer attends, par... Attends. Je suis en train de passer une annonce sur le Slash 2. Je suis à Hurlevent, là, je suis en train de passer une annonce sur le Slash 2. Pour en première qu'il y a une grande course et qu'on est tous rassemblés à l'auberge et que je cite les gens à créer un perso niveau 1 pour aller à Comté de l'Or. Pour aller peut-être à Orgrimmar.
Ouais, enfin rendez-vous à compter de l'heure dans l'auberge, voilà. Mais de toute façon, on va partir d'ici 2-3 minutes, hein, parce que là, les gens, ils sont chauds patates, là, ils sont prêts à partir, quoi. Voilà, la remise des prêts a été faite. En fait, c'est pour savoir si vous, là, les scores, vous étiez prêts pour repartir, pour commencer à ouvrir un peu la route, parce que, bon, c'est à peu près pareil, quoi, Sanglorance et tout, il y a beaucoup de bestioles un peu partout. Et après, non, On pourrait très bien prendre le bateau jusqu'à Rutretan, Darnassus. Ouais. Et on traverse Sombrivage, Orneval, et on arrive au Tarif du Nord. Ouais, mais c'est un peu long en fait. Je pense c'est plus long parce que on va être obligé de prendre deux bateaux déjà. Bah non, parce que là, si tu vas à Hurlevent, tu prends le bateau pour. T'arrives là, t'arrives à Théa, donc là. Ah oui, mais après, t'as encore un autre bateau à prendre. C'est pas énorme. Ouais. Ça risque d'être un peu. Ronce, ça va ouais, être mais plus ça, long, va être, ça va pas être pratique, tu sais pourquoi? Parce que. Avec les bateaux, ce qui se passe, c'est que ça se trouve, le bateau va partir quand il y aura un pack de gnomes qui arrivera dessus. Donc ça va faire deux packs séparés si tu veux. Ah bah après, arriver sur l'autre continent, il faut que tout le monde s'attende. On peut faire ça aussi, Marc. On peut faire le départ, c'est vraiment de l'autre côté sur l'autre continent. Non, mais je pense que ce sera plus simple de faire. Ça va être plus simple de faire. On va passer par Baie du Butin, c'est le plus simple, je pense. Baie du Butin? D'accord. Ouais. Ben écoute, pour l'instant. Ça discute pas trop sur le siège 2 sur ce royaume. Hein. Je me sens peut-être parti en raid. Alors, il y en a qui demandent le lien du stream, je vais l'envoyer sur le canal. Je vais parler du rassemblement. Je vais dire ce qu'on va faire. Donc, on va partir tous jusqu'à. Voilà, on va tous aller à Baie du Butin, on va prendre le bateau, on va s'attendre à Ratchet, enfin, la ville qui est après Cabestan. Et quand on sera là, on va tous aller au Grimard ensemble. Donc forcément, tout le monde va crever, quasiment. Mais après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut raise. Les gnomes pourront raise, en fait, dans la ville et avancer comme ça progressivement jusqu'à Vol'jin. Et à mon avis, la soirée va se terminer. Il y aura un tapis de gnomes dans Grimard. Ça va être une haie d'honneur pour les hors-deux. Ils pourront marcher dessus, s'essuyer les pieds, ça. Alors, tu vois, le paillasson, là, c'est le paillasson ultra swagué, là. On peut pas faire mieux que ça. Alors, j'ai envoyé l'annonce dans le chat, là. Je vais me mettre à taper un petit peu. C'est génial les appareils photo selfie, en même temps ça déclenche clac 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 clac, on va dire un défilé de mode là. Alors on va tous aller dehors. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le stream, oui, je sais pas combien on est, on doit être peut-être une vingtaine, 20, 30, un truc comme ça. 34, ouais. Je sais pas si c'est à jour. En fait, le but du stream, voilà, c'est un petit plus. En fait, ce qui est surtout important, c'est l'event in-game, quoi. Bon, là, on est 34, la prochaine fois, on sera peut-être 50, après 70, enfin, ça va, à chaque fois, ça augmentera. Donc, après, on sera plus nombreux, effectivement, sur le stream, ça sera un petit peu plus marrant. Oui, d'informer les gens suffisamment à l'avance. Oui, c'est parce que là, bon, là, il y a Joe Jeep qui a posté une news, d'ailleurs. Merci à toi, c'est Charas qui a posté la news, donc merci à toi, Julien, merci Joe Jeep. Pour les petites news, ça fait toujours plaisir. Pareil, hein, quand vous faites des events comme ça, n'hésitez pas déjà à le poster sur le forum de la Team Geo, vous inscrivez sur le site, vous le postez sur le calendrier. Puis envoyez des mails à Mami Twink, à Jojip, sur Blizzard aussi, ils ont un calendrier également d'events, vous pouvez poster votre event dessus. Ils vont vous le retweeter, il y a le forum événement et création, enfin balancez sur Twitter, mettez en copie Warcraft FR et tout ça, et comme ça les community managers de Blizzard retweetent votre info et tout.
Et c'est comme ça en fait qu'on a du monde quoi. C'est pas n'importe qui peut le faire finalement quoi. N'importe qui peut réunir facilement 50, 100 personnes à un event quoi. Alors on va je vais demander à tout le monde que tout le monde sorte. Les scores, vous êtes prêts ou pas? Attends, je finis une chose. J'informe les gens sur le groupe de World of Warcraft. D'accord, alors ce qu'on va faire, donc pour ceux qui suivent le stream, ce qu'on va faire, on va, bah, je vais afficher le parcours déjà. Alors donc là, effectivement, on a compté de l'or. On va... A votre avis, on passe par où? On passe par... Attention, bah, bête butin, on va arriver où déjà? On va arriver à Cabestan, à Ratchet. Parce que si tu en arrives à Tarid de... Si t'arrives du nord ou du sud? Ce sera les Tarid du nord plutôt. Tarid du nord. Bah, donc effectivement, ce qu'on peut faire... Ah, j'ai pas la carte sur ce perso, c'est naze. Je vais regarder si je la trouve sur un site. Waouh. Ce site est absolument horrible. Voilà, allez sur vos aides. Voilà, j'ai partagé une info sur le groupe. Il y a peut-être des gens qui vont répondre rapidement. Faudrait attendre un peu. Donc je suis en train de regarder là sur Ed du coup où on pourrait passer. Alors donc je pense qu'on pourrait passer par la marche de l'ouest parce que effectivement on pourrait passer non pas par les Maltaires, on pourrait passer, je sais pas si vous voyez sur le stream. Par alors donc il y a en fait il y a la forêt d'Elwyn, ouais par la colline des Sentinelles, parce qu'en fait il y a chemin. On pourrait aller direct travers champ, mais ça va être galère parce qu'il y aura plein de mobs. On peut faire ça, ouais. De toute façon, c'est la. Ouais, sinon, ouais, on y va. C'est on le y va. Chemin qu'il y a. Ouais, on va pas se faire chier. On va y aller en mode YOLO. On passe à travers champ, donc l'escorte, on va être devant. On, voilà, on va pouler les petites merdes, et puis comme ça, vous êtes tranquille pour passer tout le monde. Alors, juste quelqu'un me parle. Qui est-ce? Oui, en fait, ça c'est ForceX1 qui est en train de me. Quand je parle des community managers de WoW tout à l'heure, il est en train de m'envoyer le. Voilà le. Tu le connaissais déjà ou pas? Oui, je connais déjà, mais en fait, j'ai des canaux un petit peu plus directs que ce mail, si tu veux, pour parler à Blizzard. J'ai quelques canaux un petit peu plus directs en fait, donc. Moi j'ai un seul canal direct, mais c'est pas. Bon. C'est pas Warcraft. En fait, ce que vous pouvez faire. Attends. Je le sors pour la prochaine fois. C'est quand même indispensable qu'on le sorte, mais voilà, ça c'est pour toi. Alors t'as peut-être pas entendu sur Mumble, mais t'as eu droit à un instant rimshot en fait. Hein? T'as eu droit à un instant rimshot quoi. Je vais le refaire là. Voilà. Il y a que sur le stream qui l'entendent malheureusement. T'as une petite voilà. Alors oui, tout le monde me parle sur. Il y en a qui me traitent de victime sur Messenger. Alors son nom, je vais vous le noter son nom, comme ça vous allez vous en rappeler. Celui qui me traite de victime sur Facebook. Il s'appelle Théo. Voilà, il est là, c'est le premier message. Ce mec me traite de victime en fait. Victime donc, de quoi? Je sais pas, donc n'hésitez pas à le flouder sur Facebook si vous le trouvez. Mais quand tu veux. Non mais c'est bon, c'est un contact, c'est pour triper. Alors ok, bon, on va donner le départ pour Orgrimmar. Alors là effectivement, là maintenant vous pouvez prendre les montures moto, il n'y a aucun problème. Eh sérieux, il y a un rassemblement de bikers là. On se croirait... Ouais, ça fait un petit peu Hellfest. Moi j'ai pas de moto. Je vais faire... Attends, on va faire un petit screenshot avant parce que là il y a un très beau screen à faire. À
Attends, j'entends en ville faire une annonce et je reviens. On va faire un petit screenshot en fait là avec toutes les motos alignées parce que c'est. 5 minutes. Vas-y. On va demander peut-être à ceux qui ont des drakes et tout s'ils peuvent se bouger un peu. Ou alors qu'ils se mettent derrière, tiens. En fait, on va faire un selfie géant. Voilà, comme les artistes sur scène. Je vais me mettre là devant, comme ça. Les gnomes. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre les gnomes devant les motos. Tous ceux qui ont des grosses montures, des drakes, des trucs comme ça, vous allez vous mettre derrière, comme ça, on vous verra bien. Et on va faire un selfie géant. Ça va faire un selfie assez épique, je pense. Alors, j'ai juste équipé sur dans mon interface, la tête est plus simple. Tant que tout le monde s'installe. Alors, appareil photo. Est-ce que je l'ai au moins sur ce perso? Ah bah oui, je suis con, c'est lié au compte. Tiens, on va virer ça, ça sert à rien. Hop. Alors, il me semble qu'il cache l'interface automatiquement quand on l'active. Je vais me reculer un peu, on verra un peu mieux, je pense, tout le monde. Alors voilà, on est en train de se faire photobombe par l'escorte, par le régiment du Hurlevent. On va attendre un petit peu qu'il passe. Ce que je vais faire, je vais prendre une monture, ce sera mieux. Ok, sortir du véhicule ne marche pas, c'est l'autre bouton. On se demande qui a programmé ça. Tiens, Destrit Tyrael. Je m'appelle Tigraël, donc Tyrael, ça ressemble un peu. Voilà. Ça serait. Ah merde, on peut pas utiliser sur la monture, bah tant pis. Je vais mettre tellement ici, on verra peut-être. Ah là on verra mieux là. On va part qu'il y a un mec là qui fait chier. Je vais me mettre devant lui, comme ça on le verra pas. Allez, tout le monde fait cheese là. On va se faire un selfie. Attention. Et où? Je vois pas. Bah, je me suis mis un peu sur le côté en fait, comme ça, parce qu'on voit mieux les motos en fait. Sinon, on voit pas trop qu'elles sont bien alignées, d'accord. Tu vois. Bah, si tu vois, si t'as le strip ouvert, tu verras. Alors, je ferais cacher les noms presque en fait. Ah, oui, mais je te vois. Attends, je me mets juste derrière toi. Attends, est-ce que tu me vois là, le petit gnome derrière toi? Ouais, je te vois, ouais. Bah, mets-toi devant les motos, en fait. Attends. Voilà, j'ai enlevé les noms, comme ça on verra. Ouais, alors vous pouvez dire des conneries, crier des conneries si vous voulez, il n'y a aucun souci. On est là pour s'amuser, de toute façon. Hein. On n'est pas là pour faire du RP super élitiste, voilà. Fromage. Voilà. Voilà, je pense qu'on a des beaux screens là. Ah, la tranche que tu tires. Bah, c'est un humain, hein, c'est pas forcément très beau. Hein. Voilà, ça va être un gnome rush en fait, c'est pas vraiment un zerg rush. Hein. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais donner un top départ. Là, le top départ, ça serait mieux que tout le monde soit à la porte de l'auberge, vraiment à l'intérieur. Mais on s'en fout, c'est pas une course, tu ouais. Veux. S'il y en a qui sont un peu devant, c'est pas grave, quoi. D'accord. De toute façon, moi, je vais être dernier, alors. Bon, j'ai dit les vilains hors d'eux, sauf Koubak, hein, bien sûr. Hein. Je bouge pas tant que j'ai pas mon niveau 2, chaussettes. Non, mais ça marche pas comme ça, t'es pas dans la hellbuck. Hein. Je vais juste faire un petit truc.
Voilà. Allez. Allez, direction Gribar. Bon, alors j'ai fait une faute de frappe, on s'en fout. Alors, on passe à travers champ, hein. Donc, vous me suivez, suivez ouais, le gros Drake. Moi, j'ai crevé, moi, direct. Vous pouvez suivre le Kubak également. Ah, il passe par là, ouais. Ouais. Ah, là, c'est un peu le bordel, ça va pas trop aller. Merde. Voilà, suivez-moi, je leur crie, suivez-moi. Puis on va, voilà, on commence à suivre normalement. Ah, c'est bon, ils sont partis là. Alors, les motos, allez pas trop vite. Que ceux qui n'ont pas de moto puissent quand même vous suivre, qu'on voit à peu près où vous allez, quoi. De toute façon, si vous allez trop devant, c'est pas dur, vous allez vous faire défoncer, donc. Voilà, par contre, je vais afficher les noms parce que les gnomes ils sont tellement petits qu'on n'arrive pas à les voir. J'ai un peu de mal à les voir, donc je vais les faire défoncer la gueule. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu as mine du fond du gouffre. Pareil, on est tous là en fait. C'est l'oprès de. Le kobold qui me frappe. Non, mais où? Putain, il a droppé 11 PC le machin, quoi. Je n'ai pas de cible. Ouais, enlevez la moto parce que c'est la triche, hein, pour ceux qui en ont pas. Oh, mais c'est. Là, il n'y a pas de course. Alors, ce qu'on va faire, tout le monde. Après, on va s'attendre en fait à Cabestan. Par le dire aux gens. Je vais mettre un autofloot dans le canal 1. Comme ça, on ira tous en même temps à Grimard comme ça. Voilà, c'est en toutes les 30 secondes, ça va balancer le message, donc comme ça, il devrait comprendre. Ouah, je vais me faire défoncer par un ours. Aïe aïe aïe. Boum. Je ne suis pas à portée. Oh, un rare élite. Il y a un rare élite là. Je vais me le faire. Elisa. Si belle. Cap excellente du singe. Bah écoute. Allez, je prends tout. Ce qui est marrant, c'est que des rares élites, en fait, tu te rends compte qu'il y en a plein. Et c'est juste qu'il y en a. Et dans les zones où il n'y a personne, bah, plus personne ne les fait. Donc t'es quasiment sûr de tomber dessus à chaque fois, quoi. Je suis en train de me faire courser par des insectes, là, c'est une horreur. Oh, pelouse, est tombé dans la pelouse. Ah non, j'aurais pu 13 pelouse. Parce que j'ai un sort à distance, mais il a un cooldown. Et enfin, j'en ai plusieurs, mais à chaque fois, il faut que je sélectionne le mob, que je clique sur le truc. Donc j'ai pas de champ très réactif. Ouais, là je suis en train d'escorter quelques-uns, là il y a des araignées qui font chier. Tac, veuve noire, hop. T'en bouge pas bébé Juliette, je te raise. Du coup les autres ils restent à côté de moi, quoi. Voilà. Ouais, j'ai arrêté de looter les mobs parce que je vais devoir que de la merde. Bon allez là c'est bon, on a rejoint la route. Bon effectivement on aurait peut-être pu faire demi-tour, on aurait peut-être pu repartir aussi de l'autre côté par où on est arrivé et suivre la route, on aurait eu, mince, en passant par Goldshire on aurait moins de problèmes. Non c'est bon les groupes, ça va être une galère sinon. Alors je crois que par ici il y a un... Ah bah ok, en fait on est parti de mauvais côté. Voilà, j'ai trois gnomes avec moi en fait, mais on est parti de mauvais sens, que j'étais en train de continuer. Je pensais qu'on était plutôt par là en fait, mais non. Je disais c'est bizarre, on est à la colline aux corbeaux déjà, c'est pas normal.
Alors normalement le Padan est un petit peu plus rapide que les autres. En fait ils sont, je crois qu'ils sont slash follow sur moi en fait. Ouais j'en ai un slash follow sur moi là, j'ai Gnomisator en slash follow. Bah je sais pas s'ils ont tous compris qu'on a leur Grima, il y en a qui ont dû déco, je pense qu'ils ont dû arrêter. D'autres qui ont dû AFK. Vous êtes rendu où vous sinon? Vous êtes rendu haut, vous, sinon? Vous m'entendez ou vous êtes tous en train de dormir? Ouais, ouais, je suis là. J'entends. Je suis en train de voir un gnome en train de se faire tuer par un loup. Ouais, merde. Moi, je suis en train d'en voir un qui se fait dégommer par une araignée. Oh putain, ok, j'ai un mort, là. Attends. J'ai deux morts, maintenant. Alors, je vais mettre une consécration dans le tas, voilà. Et je vais les raise. Voilà, comme ça, la consécration, il crève tout seul, le mob. Il faut juste que j'attende le combat s'arrête. Voilà. Ouais, là, c'est dommage, on est parti un petit peu décousu. Parce que normalement, quand on fait ce genre de event, justement, on est bien paqué. Bah, vous avez vu tout à l'heure comment c'était. Voilà, alors reste tout le monde. Et on repart. Ah bah il a déjà raise en fait. Et ils font des selfies. T'as des gnomes en slip qui sont défoncés par des araignées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des selfies. Ils sont où là les gens? En fait je pense qu'ils sont un peu dispersés partout quoi. Ouais parce que moi je rentre dans Sanglorance, je me suis fait me faire charcuter par une panthère. Ouais alors moi j'ai toujours mes petits gnomes avec moi là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est d'être une garderie, tu vois, il y a les enfants qui tournent autour. Ou Marc Dutroux éventuellement, je sais pas, mais. Oh quelle horreur. Ouais, c'est de l'humour noir. Et l'humour noir, c'est pas Anthony Cavana, hein, c'est autre chose. Je suis au premier pont de Strangdance. Là où vous êtes? Alors, il y a Payette Rose qui nous demande sur Twitter pour regrouper pour l'event ou si c'est un mode YOLO pour Grimard. C'est un mode YOLO total, hein. Essayez d'aller par vos propres moyens. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver, on va s'attendre à Cabestan. Donc là, ça va être un petit peu laborieux pour y aller. Je pense qu'on va perdre pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui va déco, qui va en avoir marre, qui va arrêter. Donc on sera pas aussi nombreux que tout à l'heure. On va peut-être être une vingtaine, un truc comme ça. On va dire si tout se passe bien. Ça va pas te crever. Et on partira comme ça tous ensemble. On fera notre départ. Et là, pour le coup, il y aura pas de bateau. On va vraiment y aller directement, suivant le chemin, direct sur Grimard. On va passer par la grande porte. On va pas passer sur le côté. Et les gnomes, en fait, ce que vous essaierez de faire. Bon, ça va être long si vous êtes patient, ce sera de mourir dans Grimard, puis essayer à chaque fois de rester, d'avancer un petit peu comme ça, puis jusqu'à Vol'jin en fait. D'accord. On va essayer. Alors, j'entends les panthères qui attaquent. Oula. Moi je suis au deuxième pont de Strangdance. J'arrête pas de crever avec les panthères. Ah bah ça, mais c'est en plus il y en a qui sont fufus, mais le problème c'est que moi quand je suis au niveau, ils m'attaquent pas forcément et ils attaquent les gnomes, donc dès que j'entends la panthère qui gronde, je me dis ouais il est en train d'attaquer un gnome, et faut que je vois là, faut être assez réactif pour bien la choper. Là par exemple il y en a une là qui est cachée. Ce que tu peux faire aussi, les escortes là, ce que vous pouvez faire, vous appuyez sur la touche V, ça va faire apparaître les barres de vie des ennemis. Et comme ça, c'est des mobs un peu embusqués. Ouais, si vous les verrez à travers les murs et tout. Là, par exemple, il y a un tigre. Hop. Hors de champ de vision, ça marche pas. Ouais. Non, mais où? Je vais flouder un petit peu moins.
Ouais, comme dit lecteur cassette, là, ce qu'on pourra faire, c'est un screen avec tous les cadavres devant Vol'jin, mais c'est un truc qu'on pourra faire effectivement. Alors, moi, j'ai pas de perso hors 2, donc si je rentre avec mon paladin, je vais me faire défoncer. Mais effectivement, Kuba, ce que tu auras qu'à faire, quand il y aura le tas de gnomes devant Vol'jin, tu pourras faire un selfie avec les carpettes devant, quoi. Ah si, j'ai un perso hors 2, je crois, sur Kaintor. Mais il est bas niveau, il doit être niveau 15, un truc comme ça. Un Murloc. Ouais, bon, c'est un petit peu laborieux, ça met un peu de temps, mais on va y arriver. Alors lui, c'est... Non, c'est un concours de mascotte. Dépasser le pont du lac de Sanglorance. D'accord. Bah nous, Là où vous êtes? on arrive sur le deuxième pont en fait. D'accord. Je survis. Là maintenant ça va. Attends, il y en a un qui est un tout petit peu à la bourre. Bébé Juliette. Ce que j'adore, c'est qu'ils sont en plus ils sont tous en train de spammer, tu vois, la bulle, la baguette à faire les bulles là. J'ai toujours plein de bulles autour de moi. Et ça c'est Mignon. rig... ça, c'est... Non, mais c'est rigolo comme objet, ça. D'ailleurs, je l'ai aussi, je pourrais le faire. Hop. Ce n'est pas encore prêt. Ce n'est Bon, pas je vais pas le encore faire parce rechargé. que après, je vais plus avoir mes barres de sort et je vais pas pouvoir attaquer en cas de mob. Ce que je vais faire, je vais même anticiper un peu, je vais mettre ma monture, je vais passer devant comme ça, je vais le grenouiller. Alors là, de mémoire, ici, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il y a des ogres par là-bas. Elle est où ce bâton à bulle? Ah oui. C'est dans tes jouets normalement. Enfin, si tu l'as farmé c'est sur Ouais, un je l'ai. râtre. Ah, il y en a un qui va se faire défoncer là. Hop. Ce n'est pas encore prêt. Putain, il est pas. Putain, crapouf. Crapatouf. Tu devrais attendre un Ouh! petit peu. Je sais pas si tu étais sur Je le vais me faire stream que tu défoncer par un m'entends. tigre. Non! Allez, je suis mort. Et on continue. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec Zaya, quoi. Alors, cul poilu, je sais pas absolument pas où tu es. Il me demande de raise. Ah non, il se démerde, attends. Moi je me démerde. Bah, attends, je peux le raise, ça va peut-être être rapide. Je vais voir, apparemment il est. Ah, il est juste derrière, il est juste là. J'arrive au tourbillon de cataclysme là. Attends, cul poilu, je te raise. Allô le passage? Ah oui, Alors passage par là. j'en reste un pendant ce temps-là, t'en as un autre qui crève. Je Évite, évite, évite. Ah, mais ils aggro de super loin quoi, pouvoir le lancer. c'est abusé quoi. Hop. Alors je crois que en fait pendant que j'étais en train d'en reste un, il y en a deux autres qui sont morts en fait, non? Ah, je suis mort devant le campement humain. Je Non, il y a que Poilu qui est toujours mort. Donc allez-y, continuez tranquillement, on arrive de toute façon. Je sais pas s'il y a encore des gens derrière moi, j'ai l'impression que je suis un petit peu en fait la voiture balai en fait. Parce que là tout à l'heure j'avais trois gnomes qui suivaient, maintenant j'en ai vachement plus quoi. J'en ai 5-6 là facile. C'est pas évident parce qu'il y a des démonistes et entre les. On sait pas des fois si c'est un gnome ou si c'est le pet d'un démon en fait. Allez, on continue. Donc ouais, ceux qui sont ouais, continuez à rappeler qu'on s'attend à Cabestan pour la suite, hein, je pense que tout le monde a vu le message. Ouais. Peut-être pas ceux qui ont les motos, parce qu'il y en a qui sont déjà arrivés à Baie du Butin ou pas encore? Moi, je suis au niveau du tourbillon. Je vais rentrer dans le cap Stranglerance Sud. Kubak, t'es Par rendu contre, je où pourrais toi? passer. Je vais être à Cabestan, moi. D'accord. Ouais, donc effectivement, il y en a qui sont on est vachement à la bourre, quoi. Le camp humain, tu vois, tu parles du camp J'ai humain. suivi longtemps les retardataires, mais il me semblait qu'il y avait des protections. Ah, mais Ah, il y a un partout, je raptor me qui fais attaque. pourchasser par tout le monde. Putain, il y en a un qui est chaud au cul. T'en as. J'en reste un au passage. Bon, en fait, c'est ça, c'est que. Voilà, bon, là, on n'est plus en mode marathon, on est vraiment en mode. On va les. En plus, en mode escorte, en fait. J'ai la chance d'avoir une classe, je peux reste donc
Voilà, mais en fait, j'ai même l'impression qu'ils restent plus vite en fait en reprenant leur corps que le temps que j'aille vers les Polaires et qui et que le sort se lance quoi. Parce que des fois, je lance le sort et le truc qui s'interrompt, le gars, hey, coucou, je suis là. Je crois qu'il y a un piège à con ici. Ouais, c'est ça, faut pas suivre la route, faut contourner. Sinon, on tombe dans l'eau. Putain, elle est plantée en fufu là. Est-ce qu'il y a eu des morts? Il est où le chemin quand on est au tourbillon? Faut monter vers du monde. Merci pour le follow, Paillette Rose. Ah non, c'est bon. On a des morts ou pas là? J'essaie de voir. Non, c'est bon. Hop. Ceux qui sont avec moi, là, avec Tigrel, si vous voyez qu'il y en a un qui est mort, envoyez-moi un petit wisp. Ah putain, je suis perdu, je sais pas où il faut aller. Alors, en fait, là, pour ceux qui se posent la question, la team Zaya, en fait, c'est une guilde qui sont fait un trip entre eux, en fait. Ok, donc, alors, il y a une panthère qui vient de faire un mort, je crois. C'est Ah, j'ai des encore squelettes de crapatouf, partout. mais en fait tu fais que crever crapatouf là. Je suis aux arènes, moi. Il y a plein de zombies. Ouais, les anzils. Ils nous repèrent de loin, hein. Ouais, bah ce Mais que ils je vais sont faire. assez lents, donc ça Je va. vais refaire. Oui, bah c'est comme dans Walking Dead, hein, ils sont lents. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais les mecs, au lieu de s'enfuir, ils se seraient. Oh, il y a plein de gobelins là. Tac, petite AOE dans le tas. Putain, j'ai beau faire une AOE dans le tas, il n'a quand même pas réussi à aggro quoi. Voilà, bon, je crois qu'il y a eu des morts. Putain, il y a eu 3 morts quoi. Alors, oh putain, ils sont tous morts en fait, quasiment. Ils se sont mangés. Il y a eu un pop de gobelins. Bah écoutez, je pense qu'il y a un cimetière juste à côté, donc reprenez votre corps, ça ira beaucoup plus vite. Je vous attends si vous voulez. D'avoir un cimetière au Fort Bon, Livingstone ou à je me côté, à fais mon avis. défoncer par un gorille. Reprenez votre corps, ce sera plus simple. Hein. Bébé Juliette, pareil. Enfin, j'essaie de. Je vous raise, mais à mon avis, ce sera plus vite que si vous faisiez vous-même, en fait. Il y en a certains, je peux même pas les cibler, quoi. Qu'ils ont libéré. Allez, go. J'ai ma petite garderie avec moi là. On peut pas y aller en fantôme jusque là-bas tranquillement. Bah après, Faut aller là-bas. faut que tu récupères ton corps aussi, donc c'est pas forcément évident. Non mais il n'y a pas des. On peut pas rester au cimetière des Hordes là-bas. Éventuellement, mais dans ces cas-là, tu restes à Cabestan parce que ça te marrant d'avoir quand même la petite armée de gnomes qui est Ouais. téméraire, qui va tenter l'opération YOLO suicide sur Orgrimmar. Moi je veux bien, mais là je fais un pas et je j'arrête pas de crever dans. Dans bidule. On va t'escorter. C'est parce que là, on est tous. L'escorte, elle est rendue un peu partout. Il y avait il y avait des Worgenet d'une guilde qui était là tout à l'heure aussi. Je sais pas s'ils sont toujours là. Voilà. Bah, on voit que vous êtes passé, parce qu'il n'y a pas trop de mobs en fait pour le moment. Donc c'est bien. On va essayer d'avancer sans le essayer de profiter. Essayer de profiter de la voie libre avant le repop. Il y a un toile là-bas. Et ça, deux anzils. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans le tas, voilà ce que je vais faire, voilà, je vais faire une consécration. On va faire ça, tiens, on va faire une consécration et vous allez vous mettre dedans, comme ça les mobs ils vont crever avant même de pouvoir vous toucher en fait. Ceux qui sont avec moi. Alors attendez, est-ce que là vous allez un petit peu vite. Oh putain, je suis Voilà. bientôt en vue de bête butin. Dernière ligne droite. Bah là, nous on a bien avancé là, on a gagné plein de temps là. Mais on progresse bien là d'un seul coup. Effectivement, les zombies ils sont super lents donc ça va en fait.
Même les esclaves de Zanzil, ils sont super lents en fait. Donc on a là en fait ils ont vraiment le temps de passer. Alors j'ai quand même anticipé parce que je crois qu'après il y a des gorilles. Et eux par contre ils tracent. Alors là le premier qui est devant là, il y a Team Zaiasus là. Je suis à l'entrée de Belbutin dans quelques instants. D'accord. Bah nous on va pas tarder aussi. Donc là je fais les gorilles qui traînent. Juste qu'il n'y ait pas un salopard qui vienne me faire chier là. Un mage de la voile sanglante par exemple. C'est trop loin. Ah, c'est relativement safe là en fait. Je ne suis pas à portée. Ça va derrière ça suit. Merci pour le follow YoloStar. N'hésitez pas à faire un follow sur la chaîne pareil. Allez, pour l'histoire des dons, vous pouvez commencer dès maintenant, mais je pense qu'on fera... ça, c'est un truc qui est vraiment très récent, c'est pas encore tout à fait défini. De toute façon, si vous faites un don maintenant, il sera pas perdu. Si on fait une tombola, on considérera que les dons que vous avez fait maintenant... Le bateau ! Ah bah non, je suis tombé dans l'eau. Vous donneront accès à la tombola. Je sais pas comment on va faire ça encore pour le moment, mais vous pouvez déjà faire des dons pour maintenant, dès maintenant, pour comme ça après on pourra offrir, faire des events, genre je sais pas, des concours de leveling par exemple, et le premier qui atteint un certain niveau gagnera un petit truc, genre une carte prépayée avec d'un mois, des trucs comme ça, une peluche, enfin tout ce qu'on peut trouver plus ou moins dans la boutique Blizzard en fait. Bon, je pense qu'effectivement il y a vraiment personne derrière moi là. Là je suis vraiment avec le... Oula, les mages qui font des boules de feu. Je suis vraiment avec le groupe de queue. Et là on arrive, on a en visu l'entrée de Baie du Butin. Là on a la grosse dent de requin. La grosse mâchoire de requin. Sur les quais moi. Là j'en vois 2-3 qui... Voilà. Donc allez-y, rentrez. Ceux qui sont avec moi, rentrez directement. Il n'y a plus de mob après. Il y a le bateau qui vient de partir. Bah c'est pas grave, on prendra le prochain. On va prendre le prochain bateau. Le temps qu'on rentre bien dedans, on aura le prochain. Un rare. J'ai pas réussi à détruire, tant pis. Je comprends pas ce que mon jeu est un peu saccadé, pourtant je suis en 40 images secondes quoi. J'essaierai peut-être de streamer avec le boîtier HDMI que j'ai acheté là, j'ai pas encore testé, j'ai même pas encore déballé. Ça permettra d'avoir peut-être un jeu beaucoup plus fluide et surtout comme ça, si je peux streamer surtout avec un endroit où il y a de la fibre optique. Là, il y aura un jeu beaucoup beaucoup plus net, beaucoup beaucoup plus fluide. Et je pense que ça va être le plaisir pour tout le monde. Ah bah Rocket, t'es là. Pelouse, Rocket. On était en train de s'admirer de façon intime. Ça m'étonne pas de toi, Team Zaius. Pareil, sur le live, je sais pas si vous arrivez à lire les bulles de dialogue. Pareil, là, sur le chat, là, je vois... je lis un petit peu le chat, là, et ça parle pas énormément, mais il y a... j'ai quasiment lu aucun message. Le speed dating, c'est effectivement un truc qu'on pourra refaire effectivement pour la Saint-Valentin, la prochaine Saint-Valentin. Ouais, Cassette y a participé aussi, mais je crois que c'est la même personne en fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Y a Tancore qui dit à quand la fibre chez Lenway. Bah, sache Tancore que la fibre, apparemment, moi je suis sur. Je suis pas dans Nantes même, je suis dans une commune juste à côté. La fibre optique, c'est SFR qui la déploie apparemment. Donc faut qu'ils sortent les doigts du cul pour la faire et câbler l'immeuble. Donc c'est prévu, mais on sait pas quand. Mais justement, c'est pour ça que je cherche des solutions alternatives. Moi j'ai mon bureau, on pourra y aller pour streamer de mon bureau comme chez Chounet. Bon, il n'y a pas la piscine à boules par contre, mais il y a la fibre. C'est juste le PC qui est pas... J'ai pas de PC sur place, en fait j'ai que des portables, donc faudrait que j'essaie de streamer avec mes portables. Avec la capture HDMI, et je pense qu'il y a moyen de faire un truc très bien. Alors, évitez de tomber à l'eau. Alors celui qui tombe à l'eau, il a un gage. Hein. Bah c'est bon, tout le monde est monté, je crois.
Est-ce que ça fait bugger le jeu si je fais un. Si je mets un. Si je mets un coussin par exemple. On va voir un truc. Je vais mettre un coussin. Et on va voir si quand le bateau démarre, le coussin il reste sur place. Ça, ce serait typiquement le genre de bug qu'il pourrait y avoir sur WoW quoi. Et moi j'ai tombé à l'eau, tu vas voir. Ah. Boulet. Alors. La roquette et pelouse sur les coussins. Parce que, sachant que les bateaux, des fois, ça fait grave bugger le jeu, quoi. Par exemple, avec le chevet de la mort, ça c'était au tout début de WoTLK, il y avait un vilain bug, en fait. Ce qui se passe, c'est avec la poigne de mort, il y avait un chevet de la mort qui était sur un bateau qui faisait une poigne de mort sur un joueur ennemi qui était au bord par exemple sur rivage, il se faisait téléporter au centre de la map quoi, aux coordonnées 000 quoi, donc du coup il traversait le continent à toute berzingue pour tomber dans le vide et crever comme une merde quoi. Et en fait non, donc les poufs fonctionnent très bien. Alors je vois que les bulles par contre c'est surtout les effets genre les bulles voilà qui vont suivre le trajet du bateau. Je crois que même les bougies voilà ça fait aussi sur les bougies, je sais pas si vous voyez sur le stream avec la qualité. Mais des petits effets comme ça qui restent en fait qui prennent pas la vitesse du bateau, qui restent inertes. Donc on va arriver, donc on va tous se regrouper à Cabestan, je pense que vous êtes tous là en train de nous attendre. Bon là c'est la dernière fournée, hein. C'était ouais bah forcément oui, à mon avis. Vous êtes tous sur le ponton ou il y en a encore d'autres ailleurs? Ah d'accord, il y en a un peu partout en fait. Bah écoutez, on va se réunir devant la banque. Là on peut passer au nord, hein. On peut longer la rivière au nord. C'est ce qu'on va faire, ouais. Sinon si on passe vers l'intérieur, ça va être chiant. Alors on va se mettre tous devant la banque, comme ça on va être... voilà. Bah si, il y a quand même pas mal de monde quoi, il y a des motos. C'était éparpillé. Alors je vais demander que tout le monde enlève sa moto. Comme ça on est sûr de rester ensemble, parce que ce qui s'est passé tout à l'heure c'est que les deux groupes se sont scindés à cause de ces histoires de moto et c'était pas pratique. Là au moins on est sûr que tout le monde sera à pied. Voilà, tout le monde a enlevé la moto, c'est parfait. Bah je crois que tout le monde est là en fait, hein. Alors j'ai donné le départ. Classique, hein, vos marques préparées. Et c'est parti, allez! Ouais, on va faire ça, on va suivre le chemin qui est par là. J'ai anticipé, j'ai déjà fait un petit peu de ménage. Alors là pour le moment ce sont des mobs non agressifs, donc on va laisser tranquille. Hein. Je crois qu'il y a des loups en fait par ici, il me semble, de mémoire. Ouais, en fait c'est relativement tranquille par ici, il n'y a pas trop de mobs agressifs. Ah si ça commence à une espèce de sanglier la con là. Hop. Bah Wardrin, Kubak, je vous laisse déblayer un peu devant. J'ai retourné quand même pour vider filmer un petit peu le petit monde qui suit là. En fait, il court, il se lance des balles et des bulles. Parce
Ce qu'on va faire, ouais, effectivement, on va passer le pont, on va aller jusqu'au pont et on va traverser là-bas. Alors oui, j'ai peut-être regardé parce qu'il y a des alors faites attention à pas allonger trop près de l'eau parce qu'il y a des crocodiles. Je vais m'avancer parce que là il y a des hordes, enfin il y a des PNJ de la horde. Ils vont faire chier, je pense. Alors là, j'adore parce que là il y a un... ah non, c'est Kubak. Je pensais que c'était un petit hordeux qui est en train de pexer. Pareil, j'imagine les hordeux qui sont en train de faire leur quête ici tranquillement. Ils vont rien comprendre. Alors là, je vais. Donc, désolé, Kubak, hein, je vais buter les amis de la Horde. Parce que toi, tu peux pas les buter. Soucis. Mais moi, je suis obligé, malheureusement. Impossible d'attaquer depuis une monture. Bah, là, ouais, parce que j'ai pas enlevé la démon Toto. Alors là, il doit avoir les Hordeux qui doivent avoir des messages du genre. Ah oui, il y a carrément en fait le. Ah oui, d'accord, ils sont carrément niveau 100, les machins en fait. En fait, je suis un peu en train de me faire défoncer, je crois. Traverser la flotte, hein. Ouais, mes mots personnels, je suis niveau 91. Passant. Alors, Jerez, où? Ça va, je suis pas loin. Ouais, donc il y a quand même des gardes qui pop en fait. Donc, ça va être. Ça commence à être chaud patate là. Traverser la. Ouais, on va prendre le pont et puis on va continuer. Là, il y a les scorpides, les sangliers, enfin les mobs de base quoi. Je sais pas si ceux qui jouaient depuis Vanilla, si vous vous rappelez, en PVP il y avait un truc, ça s'appelait les victoires déshonorantes. Parce qu'il y avait les victoires, les VH et les VD. Il y avait les VD. Et les VD c'était quand on butait en fait des PNJ de la Horde, donc des PNJ en mode PVP, genre ceux-là. Mais qui étaient trop bas level pour nous, des PNJ gris. On prenait des victoires déshonorantes. Et c'était super chiant parce qu'en fait notre grade PVP descendait instantanément dès que nous faisions une victoire déshonorante quoi. Et typiquement, ça m'était arrivé une fois en faisant on avait fait un raid comme ça devant Grimard pour emmerder les hordes devant. Et j'ai perdu un grade comme ça parce qu'il y en a un qui a attaqué un PNJ sans le faire exprès. C'était assez chiant. Mais là, il y a plus un truc qu'ils ont enlevé et c'était quand même pas plus mal. Je vois pas où ils sont passés là. Là, j'en vois un sur le pont là. Crapatouf, toujours. Les autres, je sais pas où ils sont passés. Ils ont passé le pont déjà ou pas? Vous avez passé le pont tous ou pas là? Je crois que mes collaborateurs se sont endormis. Non, on est là. Vous avez passé le pont ou pas? Oui, c'est bon, on est dans du retard. Et j'ai un peu de retard. Ouais. Tout ce que je vais faire, je vais te grouper. Comme ça, je vais savoir où tu es. Ouais, je suis aux portes de Grimard là bientôt. À l'arbre mort là. Demi-mort. Alors, concernant ma liste BattleNet, elle est assez pleine, donc je vais. Là pour le moment, j'accepte les gens qui me envoient des méditations. Mais je vais peut-être pas en accepter encore longtemps parce que j'aurai plus de place. Ah bah, je suis devant toi. D'accord. Ouais. J'aurais peut-être plus de place, donc ça se peut également que je vous supprime comme ça si vous m'ajoutez récemment. Voilà, donc au pire, vous aurez toujours moyen de me contacter par un moyen ou un autre. D'accord. Ah, mais toi, t'as le vroom vroom. Ah non, toi, t'es derrière. Là, c'est drôle, là. Le petit passage rigolo avec, voilà, tous les gnomes qui rentrent dans Grimard. Ah, je suis en mode PVP, par contre, donc je me méfie. En fait, à Gnome Vestoren, ceux qui ont vu la vidéo, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y en avait 10 fois plus. Et les Grundor Grimard, et ça commence. Hop. Et là, sauf que là, je pense que là, les mecs, ils sont vraiment PVP et ils comprennent pas ce qui se passe en fait. Il y a tous leurs deux, ils sont en train de faire leur duel là. Voilà, c'est parti en PVP là. Ouais, c'est parti, ouais.
ça commence. Ah, moi je suis déjà en PVP donc je peux peut-être. Oh putain, je suis à. On est où là? Ange colline. Oh là là, c'est loin. Bon, je vais me faire défoncer de toute façon. Y a pas un cimetière plus proche parce que là c'est super loin. Ah non, c'est étrange colline, malheureusement ça va être loin. Ah, ça y est, je me fais attaquer. Je suis en train de heal en fait. Ça va, on se heal, ça va, ça passe bien. Mais on va faire comme on a dit, je vais faire avancer petit à petit jusqu'au boss, jusqu'au chef. Ouais, c'est ça. Mais quand on avait fait Gnome Vestoren, il y avait tellement de gnomes que il y a un truc que je trouve assez fun généralement à faire. C'est quand il y a plein de hordeux en mode rouge comme ça, c'est passer dedans et foutre et balancer une AOE dans le tas en fait. Ah, c'est chez le monde sûr, ça marche pas, putain. Parce que j'ai foiré mon interface. Alors normalement. Démonte automatique. Voilà, démonte automatique en vol, voilà. C'est pour ça que ça marchait pas, je vais faire une AOE dans le tas et je me suis fait défoncer quoi. Un gnome mort est un gnome mort. Merci Captain Obvious, merci. Allez. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Il y avait un concours, alors je sais plus, je crois que c'était, je sais plus pour quel était l'objet de ce concours, mais il y avait un concours organisé par Blizzard, fallait se mettre, se prendre en selfie en fait dans la capitale ennemie en étant à poil, un truc comme ça. Vous avez entendu parler de ça, non? Non. Et là, typiquement, ouais, à la recherche du selfie perdu. Chaque semaine, rendez-vous à l'endroit choisi, prenez-vous en photo et envoyez votre selfie sur notre site dédié au concours. Vous remporterez peut-être des cadeaux fantastiques. Voilà, ça permet de gagner des goodies, genre une gourde, un sac, etc. quoi. La chance, c'est me tire si loin. On peut quand même gagner un iPhone 6, c'est pas dégueulasse comme l'eau. Au pire, si vous aimez pas Apple, vous pouvez toujours le revendre. Ouais. Ou s'amuser à le torturer. Ah oui, alors par contre, si, et le quand même le grand prix, c'est si on participe chaque semaine, c'est quand même un voyage pour deux à la BlizzCon. Et ça, c'est juste. Ça, je pense que c'est juste le rêve pour beaucoup de personnes. La BlizzCon, tout frais payé par Blizzard. Alors, ok, donc, est-ce que je fais mon YOLO ou pas? En fait, c'est la Kubak Corp. Non, on va pas les attaquer, c'est des amis. Alors je vais essayer de raise tranquillement. Je vais me cacher ici. Moi j'avance, hein. Je raise, j'avance. Voilà. Et voilà, c'est bon, j'ai pu reprendre ma monture. Donc là c'est le bazar, en fait. Ce qui est drôle, c'est que t'as tous les accompagnateurs en fait de la Ligue qui sont partis en mode PVP contre leurs deux, qui étaient également les accompagnateurs aussi. Tu vas te faire défoncer. Hein? Quoi? Tu vas te faire défoncer, toi. Ça y est, c'est fait. T'es en train de dire, tu te fais défoncer, puis je vois ma barre de vie qui descend, tu vois. Boum, boum, ouais, boum. Ouais. Oh, il y a Micropénix avec moi. Salut! On peut pas le faire, un slash hello, on est mort. Non, je pense que je vais déconnecter mon paladin, je vais reprendre, je crois que j'ai un je vais avoir un gobelin sur Kain Tor. Je vais juste le raise et puis je vais le prendre comme ça, on va voir ce qui se passe. Un gobelin? Sauf que... Ouais, mais c'est comme ça, je me ferai pas défoncer par les hordeux et les gardes en fait. Comme ça, je vais pouvoir voir dans Grimmar. Ils sont tous en ligne devant le Grimmar en train d'attendre. Ouais. C'est marrant. Bah rentrez dans Grimmar hein, si vous pouvez. Ouais, moi je suis dans les couloirs. J'ai juste reste mon paladin, je vais me casser et puis je vais prendre un perso hors 2 pour qu'on suive tout ça, pour qu'on suive la suite. Mais là je fais à peine un pas et je crève avec les gardes.
C'est une horreur. Ouais, bah c'est ça. Je passe plus de temps à parcourir de tranches collines jusqu'à Ogrimmar qu'à faire quelque chose. S'il y avait un cimetière à l'intérieur, ça serait bien. T'imagines le Red Capital avec le cimetière à l'intérieur? N'empêche, ça pourrait être un truc, ça pourrait être un truc énorme à faire. Faire un peu comme Alterac en fait, c'est-à-dire que t'as des cimetières que tu peux capturer. Et en gros, tu fais un raid capital. Donc t'as le cimetière de, toi t'as le cimetière de Tranche Colline où on peut partir, où il y a d'ailleurs il y a des neves avec Rocket. Il y a un cimetière également devant, je crois devant Grimard ou peu avant, il est par là je crois. Typiquement quand on est de la Horde et qu'on se fait attaquer par des alliés, souvent c'est pratique pour Rez. Et ce serait de pouvoir capturer ce cimetière exactement comme on fait dans un BG en fait. Pour que les alliés après puissent effectivement se servir du cimetière et moi carrément prendre le cimetière qui est d'or Grimard. Ouais. Et là et pouvoir occuper la ville quoi. Ouais mais c'est faire prendre des positions dans chaque ville. C'est ça. Mais malheureusement, j'ai l'impression que tout ce qui est, voilà, tout ce qui est en fait Red Capital, c'était complètement. Oh putain, il y a le peuple qui a. Ça a été oublié, ouais. Et après, ce qui serait bien, moi j'avais pensé à ça, c'est que si t'arrives à tuer le boss, enfin le chef, tout le monde gagne quelques bonnes centaines ou au moins 1000 PO, tu vois, d'un coup. Ouais, il serait farmé, je pense. Après, effectivement, il y a les Red Capital, comme il y a eu énormément à WTLK. C'était du farm des boss en fait, c'est-à-dire que les gens ils rentraient en monture volante, ils allaient directement sur le boss, ils butaient le boss et ils faisaient un portail ouais. Et ils se cassaient quoi. Bah là c'est un peu n'importe quoi au Grimard parce que le chef de guerre il est juste à l'entrée, c'est assez bizarre quoi. Alors que le nôtre à Hurlevent il est dans son château. Ouais mais tu sais quand t'attaques en monture volante, qu'il soit à l'entrée ou pas, ça c'est pareil. C'est hein. Ouais mais bon t'as quand même le fly qui sont là pour défendre. Oh j'ai un ami qui s'appelle Gobber. Oh putain. Une banque portable quoi. Bon, est-ce que je vais pouvoir passer? Bon moi j'ai pris un perso gobelin donc j'ai pas de monture, j'ai rien dessus, est-ce qu'il est niveau 13 je crois voilà. Bah à peine je reste je me crève. Je viens de voir Pelouse qui vient de crever devant moi. Rocket, ah je viens de te voir crever. C'est une horreur. Alors, t'as un tapis de gnome par terre. Voilà. Ça fait une file d'attente, voilà. T'as une file de cadavres de gnome. Et il est swagué quand même, ton perso, quoi. Avec la lame brillante et tout. Ouais. Bon, là, il est. L'héritage. Il est juste beaucoup moins swag parce qu'il est mort comme une merde, mais. Ouais, bon. Ouais, je suis enfin hors deux, ouais. J'ai la brouteuse de gazon qui me suit derrière. Ouais, excuse-moi, Astrid. J'ai Conchita devant. Je t'attaquais tout à l'heure, je crois. Je savais pas si t'étais l'event ou quoi. Ouais. Hop, oh, cassette. Ah, oh putain, cassette, il trace. Ah non, dommage. Ah putain, il a fait. Il a bien avancé quoi. Il a fait facile. Il est rentré dans le. Jusqu'au premier virage comme ça. Et après, il y a un garde qui lui a tiré une flèche et il est mort. Bah là, je vais rentrer dans la cour principale. J'espère que je vais pouvoir avancer. Bon, et après ça, dodo. Hein. Après, il y a les accompagnateurs Ali qui sont en train de farmer les mobs, là, les gardes. À part ça peut marcher aussi, ça. Parce que pendant qu'ils occupent les gardes, en fait, les gnomes, ils peuvent passer. Donc là, je sais pas s'il y a des petits gnomes qui veulent rester, c'est le moment. Bah, les gardes sont occupés là. On approche. Les gardes sont occupés. Ouais, il y a qui là... des cadavres de gnomes. D'ici là, qu'il y a des joueurs qui arrivent. Ah, je sais pas s'ils sont très PVP sur Kirin Tor. Peut-être en groupe, en raid. Les gnomes. Rien que des susboulons. Bon, je rentre dans la porte. Je fais l'emote slash idiot du gobelin et qu'est-ce qu'il dit, les gnomes c'est rien que des susboulons. Alors là il y a Team Zaius et Cupoilu, ils sont en train de tracer mais dans Grimard quoi. Ah il y a Cupoilu qui vient de se faire Pooned. Team Zaius aussi, il y a Finalis, ah voilà. Moi j'ai Rez à l'entrée, à la sortie du couloir. Ah putain, eh mais ils arrivent à rentrer hein, ils... Il y a quand même bien, à chaque fois, il y a des neves là qui est avec Rocket. Ouais.
Ah, il est en dehors Grimmar, comme ça, il est chez lui, comme ça, voilà. Pelouse derrière. En fait, ils ont quand même un certain temps de réaction. C'est ce que tu vois, on dirait un espèce de jeu, c'est avec les taupes, tu sais, quand t'as une taupe qui apparaît, tu tapes dessus, ben là, ça, on dirait que les gardes, ils font pareil avec les flèches, en fait. Oh, un gnome ici, oh, un gnome là. Gnome, bim, hop. C'est con. Mais il y a quand même, ouais, y a quand même bien 5, 10, voire 10 secondes même de survie dedans, quoi. Là, il y en a encore un qui arrive, là. Lecteur cassette, voilà, lecteur cassette qui vient de Rez. Et il avance, il est chez lui, là, tranquille. il se floude en plus, quoi. Il y a Moigno qui est en train de farmer un peu. Ah, j'ai tout un groupe de gnomes derrière moi qui vont venir pour Rez. Et n'empêche, le stream avec le Cyprien Gaming, le streamo, ça c'est un chat qui vient de foutre ton bombe avec sa queue. Ils étaient 5, ils ont essayé d'attaquer Grimmar et The Wipe. Et nous on est avec des gnomes niveau 1 et là, voilà, on est chez nous, quoi. Viens voir dehors, Lenoué. Attends, j'arrive. Alors je fais pas de monture avec ce perso, donc c'est un peu lent. Pas de soucis. Je suis dans le tunnel là. Le couloir à l'extérieur d'Orgrimmar. Ouais. Ah, joli. Il y a pas mal de monde qui a dû. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont dû le voir, mais pas toi encore. Parce que quand on reste et qu'on se fait tuer, est-ce que ça marque l'alliance attaque au Grimmar ou un truc comme ça? Ou il faut vraiment qu'on attaque? À partir du moment que tu tapes un PNJ dans Grimmar, ouais. Ça le détecte. On va essayer de taper un juste pour l'honneur. Attends, là faudrait j'essaye de. Je vais juste reprendre mon. J'essaie de reprendre mon palouf. Et je vais faire un selfie devant les motos. Il est mort encore, il est pas encore raise. Je vais essayer de. Voilà, de survivre. T'as une aide d'honneur de la Kubakenko. Ah, mais clair, c'est là. C'est. Ah ouais. Alors là, je suis devant vous, mais je suis mort en fait. Alors j'ai essayé de. Alors, attends, ce que je vais faire, je vais me mettre comme ça, voilà. Je me mets devant, je me mets prêt à faire la photo. L'appareil selfie, il est. Attends, je vais l'équiper dans un truc carrément. Et je vais faire le selfie. Comme ça, si je crève après, voilà, j'ai en gros 2 secondes pour faire ma photo. Et y en a qui s'est mis sur moi là. Oh, ça va, il m'attaque pas. J'ai même pas avancé. Ah non, il y en a qui a avancé. J'ai essayé de dire quelque chose et ça n'a pas voulu. Dommage. Ah, il y a du bordel là. Une aide d'honneur par la Kubakenko, rien que ça. J'envoie un petit tweet quand même. Pour les chevilles. Vous voulez faire une animation? On essaie de faire une animation, essayer d'avancer tout doucement pour voir. Dites donc, la pression des pneus là, à Strive. C'est pas très réglementaire ça. Et c'est marrant parce que les ailes de sang, j'ai l'impression qu'ils ont une plus petite moto que les autres. Tu vois, genre les Tauren, ils ont. Ouais. Et les Tauren, ils ont un super gros truc à côté. Allez, on va y arriver. Je crois que ça va finir en rassemblement de bikers, cette soirée là. Hein. Ça m'a l'air bien parti. Oh non. Putain, mais la synchronisation, sérieux. Ah, c'est tout un boulot. Ouais, vous avez répété, je suis sûr, vous avez répété des heures pour arriver à ce résultat, quoi. Mais que dalle, j'étais avec vous.
Je vérifie juste que j'ai. Non, c'est bon, je suis plus en mode PVP. Putain, il... la chorégraphie d'étoiles, quoi. Ah, ils ont fait un cap pour Kupak. N'importe quoi. Oh les mecs. Bon, on va essayer de rentrer. Il y a Payette Rose qui a balancé des petits screenshots aussi sur Twitter. Ouais, j'ai mis un pied dedans. Je suis dans le bateau. GG. Ouais. Je vais essayer de crier un truc pour que les hors-deux se réveillent. Mais c'est pas facile, hein. À peine tu restes, que hop, t'es crevé. Bah, j'ai retourné faire un petit tour dans Grimard, voir ce qui se passe. Ah non, pas avec ce perso. Ah merde, putain, je suis en mode PVP. j'avais oublié que j'étais avec mon Ali, mais... Mais en fait, putain, tu viens carrément comme un gros touriste ici, quoi. T'es devant en gris, y a personne qui t'attaque. Mais que fait la police? Ouais, mais en ce moment, c'est très calme, hein. Ouais, je me redécouvre ici, je vais aller voir où ils en sont. Le problème c'est qu'à chaque fois je me tape le cooldown de déco. Là on est 4 gnomes, on va rentrer dans Grimard dans pas longtemps. Mm-hmm. On devrait être devant Vol'jin également. Alors d'ici 10 secondes j'y serai quoi. Là on va sortir du canyon. J'ai un nécro, cupoilu. Cupoilu. Attends, j'ai bien créé, alors ceux qui sont sur le stream, j'ai bien créé un gnome niveau 1 qui ressemble à Julien Lepers, qui s'appelle Julien Lepers pour faire des quiz. Ouais, bah ça serait bien. Il a jamais servi, je crois. J'ai fait une coiffure à la con, mais. Faudrait que je le sorte à l'occasion. J'ai fait des petites macros genre oh oui vous avez bien répondu, c'est bien, oh qu'elle est bonne, ou un truc comme ça quand il fait ses mimiques, je sais pas quoi. Ouais, fallait que je me remette des questions pour un champion, ça fait une éternité que j'ai pas là regardé. On est aux portes de Grimard, on est en train de rentrer. Il y a Cupoilu et Nécro qui ouais. Rentrent avec moi. Pelouse est derrière. Bégonia, Conchita. Alors là actuellement en fait, ça, ce serait un autre event à faire, ce serait une course en fait d'or Grimard en fait, c'est-à-dire les gnomes niveau 1. Et le premier qui arrive en fait, qui arrive à crever devant le boss en fait, il gagne. Ouais. Alors là, pour le moment, il y a Rocket qui est bien avancé, Genome. Moi, je suis devant. On est en train de rentrer. Attends, il y a Zaya Sux. Oh putain, il y a un tapis de gnomes. Là, actuellement, je crois que le plus avancé. Alors attends, ça avance encore. Alors voilà, ah bah ça y est. Bah là actuellement il y a carrément en fait il y a même Finalis qui est sous le pied en fait de Vol'jin est en train de faire la cuisine là. Il est en train d'hacher du gnome là, tac. Ah, j'ai pas un screenshot, je vais le mettre sur mon front, sur Warcraft. Ouais. Voilà. Ouais, c'est en train d'arriver, il y a un tapis de gnome pour Vol'jin là. Mais c'est quand même la classe parce que ils se font défoncer par Vol'jin en personne. Hein. C'est pas un garde à attaque, c'est vraiment Vol'jin quoi. J'adore ce que. En fait, on voit dans le chat, on voit l'ennemi attaque fort gros marche. C'est genre un gnome niveau 1 qui attaque. Le message d'alerte qui est déclenché par un gnome niveau 3 quoi. Tous en cas. Il y a plein de monde qui vient de se chercher, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là? Allez, c'est ma dernière ligne droite. Je vais faire un bisou à Vol'jin et après, j'arrête. L'ennemi attaque fort gros marche. Eh les hors deux, vous faites quoi là? On attaque votre capitale. Et je suis sûr qu'en plus, t'en as 2-3 qui sont... Qui sont dans la ville, tu vois, ils voient l'ennemi attaque fort gros match, ils disent putain, il y a un raid d'alliance eux et tout, parce que ça
quand on regarde le chat, ça, il y a quand même pas mal de messages, tu vois, machin, attaque Fort Gromash. Elles disent, ouais, il y a un raid et tout, puis ils sont à, je sais pas, ils sont à 40, tu vois. Et en fait, ils arrivent là, genre, il y a un papy de gnome, quoi. Et genre, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent de leur soirée? Bah, voilà. Bah, au lieu de tourner en rond dans les raids, ben voilà, on fait autre chose. Y'a du monde sur le stream encore ou pas là? Je sais pas. Je vais regarder. Nous on n'est pas forcément sur ce stream, mais on est 10. Ouais. À écouter. Ah, on va y arriver. Mais on aurait mieux fait d'être groupé en raid, ça aurait été plus sympa. Ouais, mais avec les niveaux 1, tu peux pas justement, c'est le problème. Comment ça, tu peux pas? Tu peux pas grouper des. Faut être niveau 10 minimum pour grouper en raid en fait. C'est chiant. Ouais, avant on pouvait. Ouais, y a quand même encore 29 viewers, hein, ça a pas trop baissé depuis tout à l'heure, y a toujours du monde qui regarde. Bah, merci d'être toujours là tout le monde, big up à vous. Y a Suzuge qui est en train de dire sur le chat qu'avant de mourir, il a fait un câlin à Vol'jin. Voilà, c'est ça, c'est l'amour vache, où tu réponds, un coup de vache dans la gueule, voilà. Ah, genre le haut fait. Câlin à Vol'jin. Il y a un haut fait? Non, je sais pas si y en a un. Mais... On aurait été au piton étonné, on aurait pu dire que c'était l'amour vache, mais bon. Oh, ça mérite un instant trip shot, ça. Bon, alors. On va me laisser rentrer, oui. Il y a Bégonia qui est encore dehors avec son cadavre. N'empêche, avec tous les morts qu'il y a là, heureusement qu'il n'y a pas un gitan, hein, parce que... Je vais vous enculer, vos morts. Le sang de vos morts, vous allez manger. La calotte d'eau, c'est mort, j'y suis. Pour info, enfin, vous êtes sur mobile, mais... en fait, j'ai ouvert la boîte de Lopez et je suis en train de balancer des répliques des Lopez sur le stream. Ah, Pangeres qui m'a tué l'autre con. On se donne rendez-vous. C'est trop nul. Je sais pas, qu'est-ce que tu me penses à faire pour que le monde du monde entier cherche ça. En fait, ce que je vais faire, je vais sonoriser. Non, en fait, je vais faire les voix de Vol'jin. Je vais faire la voix de Vol'jin avec la boîte à Lopez. C'est-à-dire que dès que Vol'jin va attaquer un gnome, je vais lui faire faire une réplique de Lopez. Alors je sais pas s'il reste encore beaucoup de gnomes à farmer. Ah, visiblement, il y a toujours des ennemis qui attaquent Grimard, donc oui, il doit y en avoir. Allez, moi je rentre à la maison. Par contre, c'est un peu chiant parce que vous avez pas libéré en fait, les gars, donc on voit toujours vos noms sur les... Viens, on va en finir, putain. L'ennemi attaque Orgrimmar, l'ennemi attaque Orgrimmar. Les coups de poing, j'ai pas peur, moi j'ai pris des balles, les coups de fusil, les coups de couteau, j'ai pas peur. J'en veux, Joe! J'en veux! J'en veux retourner dehors, voir s'il y en a encore qui continuent de faire du corpse res comme ça. Eh! Hey. Salut, ça boum! Les femmes, je les aime comme mes mécaniques. Fluides, efficaces et bien huilées. J'ai plein d'accessoires rigolos dans ma salle. Pourquoi ça marche pas? T'essaies de faire quoi?
Et mon alt gauche qui marche plus. Ouais. On fait la team G. Ouais, je vais voir ils ont sauvé les autres. Alors là, je suis transformé en dindon. Bon, entre un gobelet et un dindon, je vais dire, il n'y a pas trop de différence. Ça va. Bah, ça va en fait, il n'y a pas trop de. Il n'y a plus de tant de cadavres. Je pense qu'ils sont quasiment tous sur Vol'jin maintenant. Moi, je suis rentré à la maison. Et je déco. D'accord. Bon, on va arrêter là de toute façon. Oh, ouais, parce que là, bon, il est tard et puis. On a atteint le but, hein, de toute façon. Ouais, bah oui. Bon, c'est bien amusé. Bah, j'espère que tous avez passé une bonne soirée. Vous êtes bien amusé. Ouais, ouais, ça change. Ça occupe. Bon, c'était un petit event. C'était simple, hein. Ouais, les courses de gnomes, c'est relativement simple. Enfin, les courses en général, c'est relativement simple à organiser. Il suffit d'avoir un parcours, un point de départ, un point d'arrivée. La petite difficulté, effectivement, souvent, bah, c'est de suivre, en fait, la course dans son intégralité, de voir. Voir s'il y en a qui trichent pas, etc. Donc c'est pour ça que la récompense, typiquement, c'était des petites mascottes qui coûtent pas cher. Et comme ça, s'il y en a qui pensent qu'ils avaient gagné, ils seront pas trop déçus, quoi. Ah, c'est juste pour le fun, hein. C'est pas pour la récompense. Ouais. Non, mais ça, c'est ça, ça. Enfin, des fois, on croit que c'est compliqué de faire des événements. Non, c'est super simple, quoi. Au contraire, donc allez-y, n'hésitez pas à refaire des marathons avec votre guild ou avec d'autres personnes, quoi. Puis vous nous en parlez sur le site de la Team Geo, comme ça, on sera un plaisir de le relayer et tout ça, quoi. Je vais quand même faire quelques petits screenshots avant d'arrêter. J'ai mis un screenshot sur le groupe World of Warcraft France. D'accord. Alors, je vais enlever les noms, en fait, pour qu'on voit bien. En fait, qu'on voit bien le tas, quoi. Alors, en gros, t'as le chercheur Cupoalu, la Thor Cassette, Zaya, Zuzugé, Necro. Ah, c'est con, je te jure. Alors, nom des PNJ, c'est où ça? Dans interface, non. Non, en fait, c'est ça, c'est parce que c'est un PNJ de quête, en fait. Masquer le nom des PNJ secondaires. Ah, c'est pas un PNJ secondaire. Vol'jin quand même. Du coup, Bakenko vous remercie. En tout cas, je fais suivre le message que je reçois de te transmettre. Je vois ça, je vois Astrid également qui a forwardé un message, qui a un message de remerciement. Bah, merci franchement à tous d'être venus, parce que s'il n'y avait personne, il n'y aurait plus d'event simplement. Donc, merci à tous d'être venus. Ouais, pour la suite, je sais pas, les prochains events, je sais pas trop, je pense qu'on en fera un d'ici peut-être 2 semaines. La semaine prochaine, tu feras un quiz? Alors oui, forcément, la semaine prochaine, il y aura les quiz. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire déjà sur le site de la... Question pour un couillon. Ouais, si tu veux. C'est de vous inscrire, en fait, sur le site de la Team Geo. Et sur le site, vous pouvez retrouver, il y a un calendrier. Alors quand vous êtes inscrit, même quand vous n'êtes pas inscrit, il y a le calendrier. En fait, on peut retrouver tous les événements à suivre. Là, par exemple, on voit l'événement de ce soir. Alors, c'est les événements de la Team Geo, mais également des autres organisateurs en dehors de la Team Geo qui proposent leurs événements. Par exemple, là, demain, il y a un tournage. C'est sur Kerintor également. Ce sera une vidéo, une machinima avec... Rogizar Ayasa, j'arrive pas à prononcer son nom, pas Rogi. C'est une web série en fait qu'il a créée, qui s'appelle Les Chroniques de Prométhée. Il a déjà sorti pas mal d'épisodes. Donc là, ce sera pour le prochain épisode, il fera ça à ICC. Donc si vous avez un humain avec un stuff, une transmo type garde du Hurlevent, c'est ce qu'il recherche, donc n'hésitez pas à le contacter. Même si vous n'êtes pas sur Kerintor, hein, vous pouvez il a mis son battle tag sur le post. Vous pouvez le contacter et être groupé en inter-serveur et faire la vidéo avec lui. Et en parlant de marathon, le samedi 20, il y a un putain de marathon qui va durer 4 heures.
Alors, je connais plus exactement le détail. Voilà, c'était organisé par Targoka et Mamunesh. Donc là, c'est côté Horde hein, pour le coup. C'est la guilde Dragon Wars qui s'en charge. Et alors là par contre, là, les lots pour le coup, c'est vraiment des trucs sympas parce qu'il y a quand même, vous pouvez gagner quand même une monture au choix dans la boutique. Un code de 20 000 PO et pour la troisième place, une bourse de 10 000 PO. Donc vous avez quand même un cash prize total en pièces d'or de 30 000 PO, plus un item de la boutique. Alors bon, je vous invite à lire le post si vous voulez en savoir plus. Donc concrètement, c'est faut s'inscrire à l'avance quand même. Et ce sera vraiment au dernier moment que le parcours sera annoncé. C'est censé durer 4 heures, donc je pense qu'ils vont quand même faire un truc assez chiadé. Surtout pour mettre des récompenses comme ça. Donc bah franchement, si vous jouez sur Rijal, c'est un perso sur Rijal de la Horde. Niveau, je sais même plus si c'est limite niveau 90 minimum, voilà. Bah, n'hésitez pas à les contacter, je pense que vous allez passer une bonne soirée. Bien, Denev Revelune vous souhaite la bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, salut. Bonne nuit à tous. À la prochaine, salut. Salut.